Je D'accord. redescends. User Ok. left your Faut channel. contrôler Flo. Très bien. User joined your channel. Salut. Ah, il y a une majuscule à ce mot de passe. Après, point positif de détruire la moitié des usines aux US, c'est que t'as de la place pour construire après. Ouais, alors il y a des chances que tu reviennes plus aussi, hein. C'est vrai, mais bon. Donc Non, là, mais il t'auras faudrait point beaucoup de temps pour positif. jouer. Elle se connecte. Putain, mais c'est quoi le mot de passe, là, C'est vrai sérieux? qu'à ce rythme, il vaut mieux que ce Est-ce que soit le t'as le mode Siam activé? ou un petit pays qui triche plutôt qu'un gros. Ah oui, c'est Il y a le peut-être mode ça aussi aussi. activé, Si c'est. je le DL et que je l'active pas, ça va être compliqué. Oh merde, mon pseudo, oh nick. Aurait mieux valu que ce soit le Mexique. C'est de la merde le Mexique. Y a un joueur d'ailleurs, non, il me semble. Non, y a pas de joueur sur le Mexique. C'est demain, Heureusement, Pyrus. Sony nous aurait envahi. Bon, il est où mon esclave là? Merde, sauvez-moi. Je vais Je vois même que pas tu as une très haute répondre. opinion de tes des gens qui sont censés être là pour t'aider. Mais tu sais, lui en fait, c'est les. Il a besoin de petits chinois pour faire les petites mains sur le front, tu vois. Faire un petit boulot. Ouais, Non, mais ça Vinco, fonctionne. sinon regarde, ce serait très simple. On va te mettre en cop sur un grand pays, l'Italie. Tu Ah, auras t'as besoin l'objectif d'aide. de gérer la marine italienne. De sous-moi. Bah, faudrait que tu gères le moral du joueur principal. Et Ça, c'est au pas mal. Siam, il y aurait besoin d'un deuxième joueur pour gérer les sous-marins. Oui, non, mais ça, en J'en fait, ai ce 8. serait facile, Scramouille. Je lui donne un conseil, tu mutes Résus, et puis moi, je ferai la communication. Voilà. Et puis lui, il peut gueuler de temps en temps. On Ça gros, fait. gros, hein, putain. Et déjà, Résus, faut footkick pour ce pseudo nul, quoi. Attends, mon T'es espagnol jaloux, c'est aussi, tout. il y a pas mal comme pseudo. Non, par contre, c'est con, j'ai pas changé le pseudo. Parce que là, je Alors suis comme parti ça, pour la Résus, on Russie, est. hein. Bon, pour ne pas avoir une seule division à XP, on en utilisait deux, c'est ça? Belle mentalité. C'était légèrement plus. Back to menu. Non, tu verras, à l'heure actuelle, il doit y avoir 8 divisions. Et c'est les 8 divisions qu'il a entraînées. Alors moi, mes informateurs me disaient qu'il avait entre 5 et 6 divisions. Du coup, il a 5 et demi divisions. C'est compliqué. Ils ont Il a coupé une des hommes d'eux, c'est demi-brigade. pour ça. Salut PVE. Non, T'as il une a une brigade de marins, demi-division. brigade de. C'est peut-être parce que les Hongrois comptent pour demi. J'aurais dû mettre ville communiste. Et vous êtes trois sur le RSS? Bon, Non, allez, c'est parfait. abusé, hein, Bah, faut c'est vous ce qu'on m'a calmer. Hein. dit. Alors après, si tu me dis viens sur la Hongrie parce que j'arrive pas à jouer. Ouais, je Enfin, pense qu'on viens peut sur la gérer à deux, Mongolie. mais. Ça, c'est toujours communiste, mais c'est. La Mongolie. Ouais, c'est un peu petit la Mongolie. Ouais, Non, mais par il est contre, où l'autre joueur sur le roumain? Japon, il y a un deuxième joueur, non? Quoi? T'aurais pas besoin d'un deuxième joueur sur le Japon? Non, mais c'est moi, je suis là. Parle d'un deuxième, Tails. Mais Ou y a pas alors même. Tails est 2 à. Pardon, on vient de Tails, tu trouver. pourras t'occuper de tout, toi? Bah après, tu sais, bah j'ai deux Tails est bras, hein. À quoi ça schizophrène. sert d'avoir deux bras si on s'occupe Ils de sont plein plusieurs dans d'autres? sa tête. C'est qui le joueur de la Roumanie? C'est moi, mais je suis en train de lancer le jeu là. D'accord. Non mais en vrai ça va, Ouais, remarque, non mais en fait je disais ça, mais comme le Mandchou s'occupe du côté Ah terrestre, non, en oui, il fait, traite Magic, c'est c'est vrai vrai. qu'il y a moins de besoin, quoi. Cyrus, je te rappelle que toi aussi t'es là pour l'aider, hein, donc Aussi. Là où Quoi? Papillon est Ah allié, oui, on bah, compte pour toi. donne-moi des unités et je t'aide. J'en ai vu beaucoup, c'est 20% de notre équipement, mec. Et vous produisez des fusils de merde, j'y peux rien, moi. Il n'y a pas assez d'hommes dans son armée. Dans son pays, plutôt. C'est la compétence qui fait défaut, je pense. Je reviens dans un instant. Sais-tu qu'en moyenne, il était déterminé depuis un instant, Salut un moment Nems. qui dure environ 90 secondes. Faut être inscrit sur le forum normalement pour participer. Merde, mais Ah, encore, bon. Twitch a pété un câble encore, mais. Ah, ça lance déjà. Salut Et comment ça Pazarus. complète? On a 3 minutes d'avance, c'est Et quoi ça? Albus. Ah, attendez, je suis même pas encore dedans. T'as pas de bol. T'attends. N'hésitez pas à me dire sur le chat si la musique est trop forte, hein.
La musique est trop forte. La voix du streamer est trop forte. Ouais, s'il pouvait se mute, ce serait vachement bien. Ouais, c'est ça. Est-ce que les années peuvent être le salon MacArthur? Oui. J'aime beaucoup ton pseudo. Oh putain, là, par contre, fais le tout comme moi. J'aurais dû mettre un D pour accentuer le. Un quoi? J'aurais dû faire Vilcomundist. Ah. J'ai plus le temps de cliquer. Talo! Oh, on va aller se mettre chez les joueurs. C'est l'autre attardé du SA, ça. Chut, monsieur qui fique des subs là. Ouais, c'est ça. Bah, tu fiques des subs. Avec la Hongrie, je fais que des subs, bien sûr. Je fais que ça. Putain, nul, tu me fais chier. Merde, mon overlay est à chier encore. De quoi? Personne n'a rien dit. De rien, ta connerie habituelle. T'inquiète. Tu es jugé. Seul Dieu peut le juger. Je suis. Ou pas. Salut Rikiwi. Ok. On lui laisse la musique. Qu'est-ce que j'ai oublié sur Overlay? Buddy was moved out of your channel. You were moved. User was moved to your channel. Notre roumain, c'est fidèle. Oui. C'est normal qu'on ait 500 d'XP rien, j'ai pas souvenir qu'il nous en restait tant. Après j'ai peut-être pas les bons souvenirs. Bon. Allez, on se lance tranquillou. Je sais pas pourquoi mon jeu est plus longtemps d'habitude de charger. Alors, logo, c'est bon. Bon, vous savez quoi, je vais relancer le jeu, je vais relancer ma connexion, je reviens tout de suite. Je vais essayer de faire le plus possible. Yo. Ah, c'était un toaster. Ah, ouais, yeah. User left your channel. C'est quoi, c'est cette voix de corseur de la gorge? Fidel, les 10 vieux chart ID, c'est pas une bonne chose. D'accord. Mais si, ça a plein d'orgas. Et quand tu fais puissance de feu supérieure, pense à rechercher. Pense à rechercher. L'anti-aérien. C'est très bien l'anti-aérien. Peut-être plus utile que la techno du nucléaire. Ouais, mais ça, c'est pour le truc de recherche. Ouais, on comprend. Non, mais c'est vrai. Non, mais je comprends. Mais. Ah mais ça a foiré ton truc Benoît, je peux pas lui rendre les territoires et en plus maintenant ils sont considérés comme des territoires occupés. Alors si j'ai fait un test en solo, tu pouvais les récupérer, les refiler. Bah non, territoire occupé, je peux juste accorder l'indépendance à la Tchécoslovaquie. Alors en solo, le clic pouvait avoir lieu. Bah là non, bah le stream était moins de toute façon hein, donc C'est ta réponse à tout. Bah oui, je peux juste choisir la politique d'occupation de la Roumanie. Non mais attends, en fait tu fais clic droit sur la Roumanie, et give state. On va voir ça quand magique sera rentré. Ah, je pense qu'on n'est pas pressé les gars. Mais des gens ont une connexion plus pourrie que la mienne, mais ça existe vraiment? Bon, Opération Gibraltar ce soir? Oula, c'est rien du tout. Les chars qui sont en Iran, du coup. C'est pas moi qui gère ça. Hein. Oui. Ils vont revenir quand en Europe? Parce que techniquement, je reste persuadé que c'est passable. Que c'est pas quoi? C'est passable. Non, en fait, ce qu'il veut te dire, c'est qu'il n'y a pas que du sable. Non, c'était pas ça. Oh, ta gueule. Oh, ça parle c'est... mal au grand leader. Ça mérite un ban. C'était hein. Magique. Je tiens ah, Scramou, il dit pédale. Oh, tout de suite les insultes homophobes. Ça se fait pas.
Merde, ma bouteille d'eau. Oh non, on me dit pas qu'il faut que j'aille faire cours du combattant encore. Putain. Bon, je coupe la cam, sinon ça va être ridicule. Hein. Attendez, je reviens. Alors, Benoît, tu t'en vas. Benoît, tu t'en vas et tu reviens plus. Benoît, j'ai une question. sur les pays qui ont le droit de faire des garnisons, etc. C'est bien les troupes. C'est bien, ils peuvent mettre des troupes nulle part, c'est pour l'Australie, c'est ça. Alors, l'Australie peut foutre des troupes où elle veut dans le Pacifique. Ok. Et ok, parce que c'est pas clair dans les règles. Non mais du coup non, déjà écrit, l'Australie peut être n'importe où dans le Pacifique. Oui, c'est ce que j'avais compris au début, du coup il y a pas de souci, en fait c'est mal écrit parce que orthographiquement en fait ça marche. Ah, il y a pas de souci, ça marche. Allez, on va bonne session à vous. Nous normalement on va attaquer dans 3 mois à peu près. Ok. C'est normal 3 joueurs en URSS. Ouais, c'est normal de pas le voir. Je rebouge en dessous. Ouais, enfin ça arrive pas tout le temps. Et, je vais demander à Magic Glass de. Bah, dès qu'on peut, on essaie d'en mettre 3 quoi. Oui, j'ai juste dit que ça arrivait pas tout le temps. Je veux dire, l'URSS c'est le pays prioritaire sur les COP quoi. C'est un peu le mec qui a un front, qui a potentiellement 2, 3, 4 joueurs contre lui. Ouais, bio. Celui qui galère à charger là. Je sais pas pourquoi, y'a rien qui tourne. C'est bizarre. Si, ça me doucement. Est-ce qu'il y a ton PC qui tourne? C'est un toaster. Ouais, c'est pas mon PC qui rame, hein. Ça je t'assure. Ça n'est pas de risque. Non, tu passes en 4G si t'as la 4G. Non mais c'est étrange, je sais pas, j'ai absolument rien qui tourne. On est con que entre gens de bonne famille ici, c'est ça? Bah. Amos, je l'ai dit à Benoît, mais en fait je pense qu'il y a trop. Attends. De subs. T'es sûr qu'on est tout seul? User left your channel. Ah, on est tellement tout seul qu'il n'y a pas de roman. C'est bon, Magic est reparti. Tu peux parler sans crainte. Oui, mais il est japonais, donc il y a trop de... De subs dans la Méditerranée pour que j'envoie... que je débarque sur Gibraltar. Que tu envoies? Que je débarque sur Gibraltar. Trop de subs. Je t'ai dit ce qu'il fallait faire pour les détecter, tes subs de merde. Oui, je suis en train. Je sais pas si t'as remarqué, mais je suis en train de construire des. Oui, j'ai regardé vite fait, mais je t'ai donné des petits conseils aussi, j'espère que tu vas les suivre. Des conseils. Tu parles pour Gibraltar ou tu parles pour autre chose? Je parle pour Gibraltar. D'accord. Le, c'est le... un peu ce que je pensais. Putain, le canne, grand, c'est mort. Le grand plan. Lui, faut que je vois comment on gère ça. Avec du talent? Alors je sais pas si l'anglais fait des trucs bizarres ou si le jeu ne sait pas reload, mais a priori il y a 150 navires dans la Méditerranée. Entre 150 et 170 navires ennemis. Ça doit être pour protéger les... T'es sûr que c'est pas l'américain? Bah, je pense pas. Je pense qu'il y a une centaine de subs, mais je sais pas combien il y a de navires américains. Pour protéger les mineurs, je pense qu'ils doivent mettre autant de flotte. Non, les mineurs, ils ont barré. Hop là. Alors, on attend 2 minutes. Il y a une demande de Floral, c'est que le joueur australien voit un peu son pays. Donc du coup, vous avez un petit temps qui couille.
Zayn. Oui. Tu veux débarquer ici? C'est où ici? J'ai pas vu le ping. Attends. Au sud, Zayn. Oui. Oui, j'y pensais, oui. Ok, vas-y. Oui, bah, attends, j'ai mais pourquoi pas débarquer directement là? Bah, après, la question, c'est, je veux dire, pourquoi pas débarquer directement. Oui, ou là, carrément là, ou oui, là-bas directement aussi. Voir, parce qu'il ne verra peut-être pas, ici à la limite. Oh, là, c'est bien là aussi. Je préférerais qu'à ce niveau-là qu'on débarque ici. Ah, on reconnaît bien la mousse. Non, là, ça sur KR, on n'avait pas débarqué là, on avait débarqué ici. S'il te plaît, respecte-toi. Hein. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait l'intermédiaire? C'est très simple, parce que avec le temps de préparation, j'ai pas envie qu'il puisse réagir. Ouais, enfin, si tu débarques en... Ah, il me faut vraiment, alors, du coup, l'île de Comoro, parce que si tu fais Madagascar, ça se voit, quoi. Oui, mais les Comores, ça se voit pas, on est d'accord. Ou alors, t'as la Réunion. C'est vraiment, là. Alors, ça serait sous-estimer l'Afrique du Sud, je pense, de pas voir une couleur changer à côté de lui. La Réunion ou les Kerguelen. Un Kerguelen, ça passerait, hein. Bon. Il y a quand même 96 habitants au Kerguelen. C'est la folie. À ce niveau-là, je me demande. Il y en a plus que dans les îles Coco. Alors, Redus, en fait, se rend dans ces territoires roumains. Ah oui, attends. Il est où le roumain d'ailleurs? Bah, je ne sais pas. Enfin, il est cool, roumain. Ah merde, il est pas cool, roumain. Non. Ah, je pense qu'il a crash. Il y a un territoire que je peux lui rendre et ça ferait dégueulasse. Je peux pas lui rendre la Chrysanie. Ah bah Chrysanie, je pensais que c'était à toi. On fera ça plus tard. Ah putain, en plus c'est pas mal, il a pas mal d'usine. C'est moi qui ai construit sur les territoires. Hein, hein. Ah, en fait c'est toi qui a développé le roumain à sa place. C'est ça. Ah non, c'est un côté triste. Pourquoi on a des divs Salut Vélo. Il arrivait quoi à la Chine? Bah en fait, on a permis à la Chine de prendre la branche qui la libère. Ah non, enfin oui, mais c'est pas ça le plus important, c'est que de manière générale, nous on crée des... On joue en mode vassal. Et d'ailleurs, du coup, est-ce que je parlais avec un peu Kissing avant d'arriver? Personnellement, pas très fan de ça. De mettre un manchou? J'aurais préféré qu'il reste sur la voie normale. Ah, c'est un test, on fera ça. Mais par contre, du coup, avec le prochain rework de la résistance, du coup, le Japon, il pourra clairement plus prendre le. Enfin, il sera obligé de prélever un vassal, quoi. Bah, normalement, son vassal, c'est la Chine réorganisée. Oui, non, mais tu sais, il aurait pu. Tout prendre pour lui. J'ai quasiment jamais vu le Japon tout prendre pour lui. Parce que de toute façon, à l'intérieur de la Chine, il n'y a pas d'usine. Bon, ah, on va bien arriver. C'est vrai qu'à mon avis, je crois qu'on a 2-3 personnes qu'on crash, je sais pas pourquoi. Bon, le Romain, il se. Rappelle où est le. Où c'est pour jouer. Il a peut-être FF mental, hein. Essayons de voir sa floral à Lost. Magic à juin. Il a des cocans, le roumain. Je sais pas. Ce que c'est que Magic Glass, il recommence son chargement. Oh, quel enfer. Oh, ouais, qui passe en 4G, quoi. Non, là, c'est pas Sako, là, en fait. Hein, c'est pas possible. Non, mais même Silverwolf, il charge plus vite. Et pourtant, Silver, on a l'habitude de le voir pédaler, quoi, donc...
J'ai même pas eu le temps de voir. On joue en modé ou en vanilla? En vanilla avec un petit mode qui rajoute 50 d'XP naval et terrestre en début de game. Et qui fait qu'on peut plus facilement faire des variantes. Fidèle, il va revenir. Désolé pour le dérangement. Mais c'est quoi? Bah j'ai dû complètement redémarrer mon ordi parce que il a décidé de faire absolument toutes les mises à jour en même temps et ça l'a fait planter. Bon, dépêche-toi de venir. Alors j'ai cru entendre des morceaux de conversation, apparemment le truc de la Transylvanie n'a pas fonctionné. Pas tout. Alors, parce qu'en fait, Résus n'était pas là, et du coup, il y a une seule région que t'auras pas, qu'on fuira à la prochaine session. La Crisina. Bah le truc c'est que la Nord-Transylvanie c'est considéré comme un état colonial. D'accord. Autant être clair, hein, C'est pour toi, je l'ai mis State Owner. Bah, North Transylvania, Owner. Ouais, en fait, State Owner, c'est juste contrôleur. Il faut mettre State Core ou je sais pas quoi pour. Parce que là, le problème, du coup, ça fait que bah, s'il y a beaucoup d'usines, bah, il y en a une partie qui vont sauter. Parce que ça va être considéré comme état colonial. Donc, toutes les usines qu'il y avait dessus, il y en a une partie qui vont sauter. Et derrière, bah, vu que c'est un état colonial, bah, il va pas pouvoir profiter du manpower, quoi. Si, 2% du MP. Il fera la session avec ça. Oui, ouf. De toute façon, c'est l'Allemand qui va pousser, hein, donc. Ouais, je pense que tu peux dire que c'est l'Allemand qui va faire tout barbare ça. Je pense que ce sera un peu plus vrai. D'ailleurs, soit dit en passant, est-ce que ce serait pas bien qu'on ait 120 divisions supplémentaires? Non. Ça servira à rien. Ça va juste à rien. Ouais, alors le fait qu'on en ait 120 en plus en termes de sur la place de Barbarossa, je dis pas parce que voilà, mais quand même on est un peu limite en termes de quantité de division pour un front qui va potentiellement grandir. C'est là qu'on contraste sur nos alliés, Amos. Mais Amos, il nous reste que 1 million de mecs et on est déjà en extensive construction. Ouais, je suis au courant. On peut pas se permettre, Amos. Oh, du moins pas maintenant. En fait, là, ce qu'on a besoin de créer, c'est la qualité. Parce qu'on va même pas pouvoir avancer, là, Amos. T'inquiète pas, on va même pas avoir besoin de 120 divisions. Hein. Je comprends rien au naval. Ça me rend fou. Ah, c'est dommage, t'as repris Italie. Non mais j'ai les missions. J'essaie de donner les ordres de mission et ça marche pas. Je comprends pas ce que ça fait. Un verdict sur ta flotte, t'es pas coché, que c'est le renforcement automatique et je sais pas quoi d'autre truc. Il y a deux petites cases fourbes et des fois ça fonctionne pas du coup. Les missions ou le renforcement ou la fusion des navals, machin. Bon, t'arrives, Romain ? Bah là, je suis dans l'écran de chargement. Pas de partie, je suppose. Non. Parce qu'il y a quoi là ? Il y a 28 DD. 40 DD. Ta flotte, moi je serais toi l'italien, je la regrouperais en. À part les subs, tu regroupes tout. Tu la divises en 3 ou 4. Avec un seul commandant et puis. Qui a relancé son fiddle là? Putain. Des génies, hein, certainement. Après, vu le temps, il n'y a pas normalement le. Voilà quoi. Pas trop de conneries qui devraient arriver, mais bon. Alors, il va falloir passer en écho de guerre aussi. A priori, tes attaques dans le désert vont arrêter. Je ne sais pas si c'est normal. C'est-à-dire qu'en fait, on a pris la place quoi. Ah, c'est nous, on a pris le désert. Oui. Bah oui. Non, mais non, on n'a pas pris le truc où t'attaquais. Si. Ah si. Ah si. Ah si. Ah si, si, quoi donc. Ah si, si, si. D'ailleurs, on parle de quel endroit? L'endroit où il y a un combat 22. Non, moi je parle d'ici. Ah.
Ah, ici, oui, j'ai arrêté. Je sais pas trop où est passée la deuxième division blindée sud-africaine. Parce qu'il y en avait deux, et là, j'en vois plus qu'une. Voilà, des fronts un peu partout. Tu remarqueras que... Je crois que les digues du russe nous perdent, ça, me semble. Non, mais ça, c'était prévu qu'elles nous perdent. On est sur du médium. Ouais. Comment ça? Ils sont où, les lourds? Où sont les mouse? J'ai pas prévu de mouse. Comment ce cramouille nous entend? Non, non. Je crois pas. C'est un quiproquo. Ils habitent ensemble, qui ça? Bah, Fiddle et... Parce que Fiddle est à 8% et que ça a peur de bouger. 7... Tu vois déjà que cette partie s'annonçait sous de bons auspices avec les pleurnichements qui traînaient à droite à gauche, alors là tu vois là, je la sens encore plus heureux. Je pense que ça devrait se calmer sur les pleurnichements. Je suis désolé, mais ma connexion, un jour sur 7, elle décide de ne plus fonctionner. Elle a décidé que cette semaine, ce serait aujourd'hui. T'as pas de la 4G? Normalement, j'ai toujours de la 4G, mais là, j'ai du H+. Redémarre ton téléphone. Mais... Attends, je démarre tout le jeu. Vu l'état du Roumain, je peux pas quitter la coop pour aller jouer le Roumain. Bon, est-ce qu'on connaît quelqu'un qui pourrait venir jouer? Putain, mais je comprends rien à ce système de naval de merde. Il est pas compliqué, Zayn arrête de râler. Non, non, c'est de la merde. Non, mais Zayn arrête de râler. Non, non, alors, je t'explique. J'ai donné une partie de ma flotte de patrouiller dans une zone. Oui. J'ai ordonné à une autre partie de ma flotte de patrouiller dans une autre zone. Et en fait, ma flotte a décidé que tout le monde allait patrouiller partout. Alors, ton amiral, il gère des zones. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire un amiral... C'est pas le même amiral. D'accord. T'as bien cliqué correctement? Oui, oui, je suis ici sûr, oui. Comment ça? Certains... Oui. User joined your channel. Ah, bon, putain, personne pour aller le remplacer. Je vais faire des petits sondages sur le... Ouais. Le Twitch en attendant parce que... C'est quoi le sondage? Pour toi ça sera l'examen de la prostate. Après si la connexion de Fiddle arrive à nous ramener le temps que tu trouves un remplaçant et que derrière il tient... Je vais pas vous mentir, je savais que cette partie là n'allait pas nécessairement être très excitante, mais je pensais pas qu'on pouvait carrément passer dans le négatif à ce point. Tu vois Amos, t'attendais rien, t'es quand même déçu, c'est ça qui est beau. Ouais. Il est où le bonnet? Oh, pas tout le temps le bonnet. Ouais, franchement, je pense qu'on est sur un stream de qualité là. Je pense que les viewers... T'inquiète pas, Fiddle, c'est pas spécifiquement contre toi, c'est contre à peu près la totalité du monde. Je pense que la game, quand la game va vraiment commencer, je vais couper le stream et le relancer, parce que sinon la VOD va être infâme. Hein. Non mais les viewers qui regardent la VOD ils peuvent sauter 10 minutes là, ils auront rien raté. Mais la plupart des gens ne sont pas patients, donc si il n'y a pas de l'action au bout de 30 secondes, ils quittent. Mais c'est pour ça que tu peux relancer tout de suite. Ouais, enfin de l'action avec toi qui stream, Résus. Mais il y a des choses que je comprends pas, alors maintenant c'est de mieux en mieux. Je viens de me rendre compte qu'en fait il y a des patrouilles qui sont apparues dans des endroits où j'ai jamais cliqué. Comme English Channel. Et je suis à peu près convaincu. Si t'as envie de sous-marin. Bon, est-ce que je relance une dernière fois? Non, j'ai pas de sous-marin, mais je suis sur English Channel. Alors, Fiddle, tu es en colère. Je suis un homme en colère. Ce qui me fascine sur Twitch, c'est qu'il y a 24 viewers et il y en a que 2 qui votent. En même temps, vu ce qui se passe, les mecs, ils sont... Bon, à ce rythme-là, je vais pas avancer grand-chose, je fais que retarder tout le monde, alors je vais redémarrer ma connexion, okay. Mon jeu et tout.
et je reviendrai. Et si ça marche pas, bah tant pis. Ok. Jouer qui, Fidel? La Roumanie. C'est un pays important, ça merde. Vous m'en voulez pas si je garde les territoires tant que le jour n'est pas là. Ouais, ouais, non. On va faire ça. Hein. Ouais. Ah, c'est quand même la grosse lose là. Oh. Tu veux que je m'occupe de l'Egypte pendant que tu fais l'Iran, Moss? Ah, si tu veux, vas-y, éclate-toi. Bon, j'en étais au niveau de l'aviation. En revanche, elles sont en train de crever. Ouais, c'est un peu chaud. Ouais. Forcément, quand c'est des bleus qui se battent, on se fait un peu dérouiller le cul. Quoique ça va, au-dessus de 7 pour 17 là. On a des avions qui font rien. Ah, faut oui. Me les envoyer. Hein. Non. C'est le truc que moi c'est dit qu'on garde. Bah tiens d'ailleurs en parlant de ça on a pas super été sur l'Iran. Comment ça? C'est en rouge. Ils ont foutu 700 tactiques. Ouais, ah attention Amos. Recule, non c'est pas Amos, c'est Benoît en machin, recule tes chars. Ah ça s'est fait percer? Ouais. Oui, parce que je sais pas pourquoi, c'est les chars qui défendaient. Bah, t'as dit 40, normalement ça a bien tendance à défendre. Ça arrive régulièrement. Si tu peux construire un radar. En Égypte quand t'auras le time. Mais t'arrêtes quand t'es dit, Ren? Où ça? Par contre, il faudrait. Excusez-moi, mais. Arrivent, non, mais excusez-moi. Tu veux bien les saturer là, des qui bougent pour. S'il y a quelque chose de plus important, c'est-à-dire que l'IA roumaine a eu le génie de d'abandonner le front grec. Donc on en parle ou pas? Ah putain, sérieux? Bah, attends, mais non. L'armée allemande y va, l'armée allemande. Ah ouais. T'as envoyé des divisions. Vous avez de la chance que l'IA a pas rushé. Ouais, hein, que... Ok. On joue historique. Enfin, on joue historique. C'est un peu vide. Pourquoi est-ce qu'on a une technologie de firefighting drill? What the fuck? Vous avez toujours supériorité au Maroc et en Espagne. Et dans la mer Méditerranée de l'Ouest, sauf orientale. Voilà, tu vois, mes mecs sont arrivés, c'est bon. D'ailleurs, faut que j'arrête d'attaquer, parce que sinon ils vont pouvoir contre-attaquer derrière et ça va me faire chier. Ouais. Je peux les mettre là? C'est du génie. Voilà, je prends du 1 pour 10 maintenant en Égypte. C'est-à-dire? Bah, j'en perds 1 et l'en perd 10, entre 10 et 15. Mais ils se barrent où les Roumains, putain? En Iran. Ah ouais? Non, je sais pas où ils vont. Oui, ils vont tous en Iran. Ouais, ça fait des gros trous d'ailleurs. Ah ouais? Oh putain, mais. Mais c'est du challenge, c'est trop facile jusque là, donc maintenant il n'y a pas de challenge. Non mais là j'ai envie de leur dire, s'il vous plaît... Non, il n'y a pas de... Pas bien. Non, je fais pas de bombardier naval. C'est Zayn. Est-ce qu'ils y vont en voie ferrée ou... Oui, non mais en gros je vais perdre une div d'italien parce que... Mais non mais trop pied à gauche, c'est bon. Tu vois, c'est bon, tu vas en rail, c'est réglé. Pourquoi est-ce que je peux pas contrôler les divisions? Lalalala. Nickel. Non, c'est bon, en fait, je peux contrôler. Attends, est-ce qu'on peut pas demander l'arrivée de forces expéditionnaires roumaines? Ah putain, il ne filerait pas grand-chose, le salaud. Ce roumain est un salaud. Ouais.
Bah, t'as fait apparaître le truc et pour moi, il veut rien nous filer. Ouais, bah au début, il voulait, puis après, il a fait non. Ah, Fidel arrive. Ça faisait longtemps. Bien. Bon, c'est le dernier essai, hein. Si je prends encore 1% par minute, j'arrête. Alus, on peut pas, parce qu'il va y avoir le Barbarossa, on peut pas se permettre. À Pazarus, on peut voter qu'une fois, malheureusement. Le bourrage dur n'existe pas. Mais bon. Oh, ça sent pas bon. Ah, 2% par 2%, ça va. Ah, je vous promets pas grand chose, hein. Là, je capte le H ou le H+. Ah, mais t'inquiète, ton IA a pris le relais et elle a fait du très bon travail. C'est une cata. Zayn est en train déjà de pleurer. Grâce à toi, le front iranien va être renforcé. Ouais, renforcé par les alliés. Putain, ce soir, on n'aura pas beaucoup de viewers ce soir. À cause du Zayn Event. Est-ce que, Amos, tu pourrais pas attaquer sur les divisions blindées qui sont en train d'essayer d'attaquer du côté de Bassan? Non mais vous avez raison, je crois, je vais partir. Parce que là, mais sinon, Fidel, essaie de trouver dans ta maison un point pas trop loin de ton ordi en 4G. Enfin, avec une meilleure connexion au moins la 3G. Parce que moi, je sais que moi, ma 4G, quand je stream en 4G, je mets pas mon téléphone juste à côté de moi. Hein. Alors, si vous parlez tous les deux en même temps, on va rien buter. Bon, c'est calme. Oui, Fidel, oui. En fait, j'ai pas de wifi chez moi, donc je joue avec un partage de co. Normalement, j'ai de la 4G tout le temps. Sauf, il arrive parfois, genre une fois par semaine, que la 4G tombe à H+, ou à H. Je sais pas pourquoi ça fait ça, ça fait jamais le même jour, ça fait jamais la même heure. Tu viens en campagne. Parce que c'est une limitation inhérente installée sur ta 4G. Non, c'est qu'il doit vivre en campagne. Non, je sais pas. Donc, non, mais parce que. Est-ce non, que tu m'as entendu? Il y a plus personne qui vient à la campagne. Pas, je sais de quoi je parle, hein, des fois. Je crois que je vais arrêter et je vais revenir quand j'aurai. Plus tard, peut-être quand j'aurai acheté une box Wi-Fi ou un truc comme ça. Attends, toi, t'as 19% déjà. Ça se trouve, je vais peut-être avoir des trucs des jours de retard, des trucs comme ça. Alors, foutre un troisième joueur sur le russe, quand on n'a pas de Romain, ça peut. L'ancien temps de chargement était plus rapide. Au pire, je sais pas, y a pas un autre joueur qui peut passer sur le Romain ou un remplaçant, je sais pas. Non. Il a été mis sur le russe. Ouais. Bon. Et le truc, c'est il pourrait pas passer sur le Romain. Bah, il a bah, entendu il a vu le russe. Hein. Il a entendu le plan, il connaît vraiment grave, de toute façon, le russe il va perdre. C'est possible. C'est possiblement impossible, effectivement. Ah, j'ai vu la leçon que vous avez donnée à la France et à l'Angleterre, le russe il va pas faire un prix. Hein. Ça veut dire quoi ce. Alors, moi je vais parier sur le fait que la session prochaine je prends une PME. Alors, par contre, putain, mais ce fond vert dégueulasse. On a retiré les règles sur l'Adriatique. Oui. Pourquoi? Parce que du coup, maintenant l'Italien peut miner l'Adriatique. Ouais, ou il peut aussi se faire miner par des trucs dans l'Adriatique. Non, la flotte italienne, elle est puissante. Oh, ouais, arrête. Bon, quoi? Tu m'avais dit que t'avais réussi à t'en sortir correctement. Zayn, habituellement, t'attends encore un petit peu avant de commencer à partir de pression. Putain, mais ce fond vert qui m'emmerde. Je le déteste. Eh, au pire, maintenant, si on... bon, ça fait un peu chier la saison, mais si on lâche l'Afrique, c'est pas le drame, hein. Attendez, faut vraiment que j'essaie de magouiller, mais dans quel sens, je sais jamais. De toute façon, la clé, c'est faire tomber l'orage. Faire tomber l'orage, on va faire. Parce qu'avec la pluie, il y aura la boue, et du coup, les tanks s'enliseront. Quoi? Ah, bah, les nôtres aussi. C'est quoi le rapport? Je sais pas, mais il a voulu faire une blague, et il a voulu la tenir jusqu'au bout.
Sinon je la remonte la cam, mais c'est bon. Je disais que la clé de la victoire c'était de faire tomber le British Raj, puis après bah, on laissera l'américain sur son continent, puis on prend le billet. Bon, on est où là? Combien de pourcents là? 42? Putain, mais ça devient de plus en plus lent, c'est pas possible, j'en ai marre. Ah, t'inquiète pas, t'es pas le seul. Le problème, c'est qu'encore tu ferais une seconde. 1% par seconde. Ah, mais c'est même pas ça, je gagne moins de 1% par seconde. Ah, mais surtout, ça, on l'a vu. Surtout pour une sauvegarde, à Shoei qui doit. Eh oh, noisette. Pas peser bien lourd. Ah, après, faut se faire sur la co. Pour se mettre est plus lourde que la coupe pour tenir. Par exemple, Silver a toujours du mal à Sco, mais il tient toujours bien les déco. Bon, on arrive à te trouver de bonnes raisons comme quoi c'est pas taco, juste en fait. Est-ce que ce serait pas mieux à ce niveau-là de la prochaine fois prévoir une sauvegarde à côté pour ceux qui sont trop nuls pour télécharger et tout? C'est vrai, tiens, j'aurais pu lui filer. Dropbox aurait marché ça. Oui, ça aurait pu aller plus vite. À mon avis, ça irait même encore plus vite, on sait jamais. Non. Qu'est-ce que t'en penses, Fidal? Non, c'est bon, c'est lancé. Mais... C'est vrai que j'aurais mieux fait de te poser la question à 15%. Maintenant, on est à 57, c'est vrai, c'est dommage. C'est ça. Là, ça perd tout l'intérêt. Mais la partie sera sûrement pas lancée avant 45. Ah, il y a un carnet de Kaiserreich sur le Canada. Mais sinon, Fiddle, balade-toi dans un rayon de je sais pas, autour de toi, là. Non, mais vraiment, non, mais avec le... Avec ton téléphone, t'as peut-être une meilleure co quelque part. Non, mais j'ai essayé dans tout mon appart. Bon, il est pas très grand, mais. Même en hauteur, parce que moi je sais que moi, ma 4G, elle est sur deux. Enfin, mon téléphone est sur deux grands tabourets. À plus de 2 mètres du sol. Moi, ma 4G, je l'ai mise à 1m20, 1m30 au minimum. Au bord d'une fenêtre. Bah, attends, il est à 64%, ça va. Mais. S'il y a quelqu'un qui déco, est-ce que tu vas devoir recharger la save? Oui. Ils sont sympas les mugs à Élysée. D'un seul coup, t'as accéléré là, t'as vu? Bon, je l'ai placé au point le plus haut de mon appart, mais ça n'a pas changé grand-chose. Ah si, t'es déjà à 78, là. C'est la folie, hein. Mais ça, vas-y, refais ce que t'as fait, ça a bien fonctionné. Ouais, refais-le. Il faut que tu le tiennes à bout de bras, ton PC. Je l'ai mis tout en haut de mon armoire, ça va. Bon, pour jouer, ça sera peut-être pas facile, mais là, ça va vite, hein. Si, généralement, faut mettre en hauteur. Ah, hein, non, mais carrément, là tu prends presque 1% par seconde. Presque! Oh, parce que comme tu dois pas pouvoir lire ton écran, au moins je le lis quoi. Noisette, putain, t'es pas tout de merde! Il fallait faire ça depuis le début, hein! Peut-être que c'est un problème de câblage. Non, s'il est dans un vieil appart dans la campagne, c'est normal. Deux! Oui! Enfin, oui! Ce qui serait drôle, c'est qu'on lance et puis 2 secondes après, des synchros. C'est parce qu'il était trop long à télécharger. Je te conseillerais, Fiddle, pour les prochaines parties d'arriver en avance. Non, il prendra la save avec. C'est ce que j'ai fait, mais ça n'a pas marché parce que pour les raisons que j'ai déjà expliquées. Mais tu feras, je te passerai un lien de Dropbox, tu la prendras comme ça quoi. Bon, Fiddle, j'arrête ton pays pendant un petit moment, faut que tu réorganises tout en urgence, la priorité c'est le front iranien. Ouais, le premier truc que tu vas faire, c'est faire stopper tes illusions. Oh là là.
Il est pas prêt, Fiddle. Oh merde. Wouhou. Allez, 5, 7, 3, 2, 1. Bah, okay, oh putain, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah, on s'en fout, Iran. User left your channel. Pense Iran, ah, mange Iran, vis Iran. Voilà. Ah putain, Fidel, il faut que je réserve mon armée là, alors. Ah putain, bon, Fidel tient pas, ok. On a attendu pour lui. Oh, c'est le timbre, ça. Non mais là il se passe plein de trucs là, il y a toutes les armes. Ah non, c'est bon, tu rattrapes. N'importe quoi. Hein? Ah non, tu rattrapes parce que ça s'est mis en live. Non, Fidel, je te dis, tu peux quitter. Je te dis maintenant. Quoi? Tu tiens pas la vitesse 2. Tu tiens pas la vitesse 2. Oui, ça je sais. Bah du coup tu vas pas faire la partie. Sauf si d'un coup ça se met à... tac tac tac, tu finis une petite... Essaye de mettre ton téléphone au bord de ta fenêtre en hauteur. Ah mais c'est vrai hein. Amos, prends la tech pour faire une autre technologie importante qu'on aurait vraiment besoin. Les anti-tanks. Tank lourd sinon. Faut prendre un objet métallique en hauteur dans une main et le téléphone dans l'autre et jouer avec les pieds. Salut Silkir. Ah, est-ce que vous pensez que c'est dû à la prise d'assaut de la zone 51, du coup le réseau de Fiddle est mort à cause de ça? Je suis pas sûr. Hein. C'est concevable. Ça recule. Bah il faut que l'Italien contre-attaque ici, du coup. Oui mais c'est pour ça que je t'avais... Ouais, enfin, tu veux que je contre-attaque avec quoi? Avec mes divisions de blindés légers c'est pour ça que je t'avais demandé, Moss, de... Le problème, c'est que derrière, il faut que je défende 36 000 endroits en même temps. Sinon, on va voir le positif, hein. Si on recule en Afrique, on aura plus de force pour avancer Barbarossa. Résus, on a de l'aviation au-dessus de la base. Je lance la tech de doctrine à Il y en a, oui, il y a okay. 400 casses. Non, putain, quel canard. T'as utilisé XP? Bah oui, pour qu'on les ait pour Barbarossa. Merde. Bah j'ai fait le calcul, sinon je les avais pas pour Barbarossa. Sorry. Je pensais que du coup ça avait vraiment été... Non, ouais. je voulais améliorer le tank destroyer pour justement qu'on puisse percer les divisions de Scramouille. On va se refaire un peu d'XP. Putain, mais qu'est-ce qui a inversé la courbe là? Je le défonçais. La courbe du chômage? Non, je faisais du 1 pour 10 et là on fait du 10-10. Ils ont peut-être ramené des vrais avions. Est-ce que vous arrivez à voir ce qu'il y a sur Gibraltar? J'ai l'impression que les Américains se sont barrés. Je ne vois pas de division américaine sur Gibraltar. Pareil. Mais c'est bizarre, la partie d'avant, je voyais tout ce qu'ils avaient alors que j'étais sur l'Allemagne, et là maintenant je vois plus rien. Ils ont peut-être fait une tech pour se cacher. D'encryption. Ah, t'avais pas des trucs qui te servent à rien, à moi ça m'envoyait pour que je mette dans mes marines. Alors, il fallait qu'on t'envoie du SPG. Ah oui, mais est-ce que comme je ne connais pas les SPG, je peux quand même les ajouter dans les brigades? Je ne crois pas. Si, je crois. Par contre, il me reste 20 jours de pétrole, alors... Fidel? Oui?
Ok, alors, c'est pour ça si c'était bien là. Il me faudrait du pétrole, le roumain. Genre au moins 75% de ta prod. Laisse-moi juste le temps de réorganiser mon armée. Ensuite, je viendrai. Ah ouais, mais le problème, c'est que si j'ai plus d'avion, on est pas dans la merde. Hein. Ah, j'ai l'impression qu'ils ont lâché le front. Tiens, il y a deux Hummels et des tanks légers. Amuse-toi. Moi, je tiens à revenir sur ce qu'a dit Guderian. En fait, il n'y a pas besoin d'écharpe pour faire des grands mouvements dans certains endroits. Ouais, avec les trucs que tu as modifié, c'est que du coup j'arrive pas nécessairement à trouver les. Et... Fais un débarquement en mer rouge, non. Ah d'accord, ils sont là nos. Elles sont là nos divisions blindées. Divisions blindées. Qu'est-ce que t'entends par là, Amos? Oui. Qu'est-ce que t'entends par elles sont là nos divisions blindées? En fait, j'arrivais pas à retrouver le 1, 2, 3, 4, le modèle, le, comment dire, l'armée dans laquelle on était. Parce que c'était marqué par un K, je sais pas ce que je savais pas. Ouais. J'étais perdu. Bon, ah. Ça s'entend. Je suis désolé, Amos. Ah oui, mais en fait, c'est genre des états coloniaux, mais c'est encore sous occupation hongroise. Ce sera amélioré au changement. Je vais faire ça rapidement. Non, le hongrois peut te filer les territoires. Du coup, tu en auras pas la pleine puissance et il faudrait que je refasse une manip à l'intercession. Mais grâce à ta stratégie rondement menée, la session va pas durer longtemps. Et c'est là qu'on peut douter de ta sincérité, tu vois. En fait, tout ceci, c'est un plan que tu as conçu pour que la session soit pas longue. Kluge a gagné un niveau. Ah, Amos, on est Organisation First ou Panzer Expert? Par rapport à qui? À Kluge, notre maréchal. C'est un gâteau, ça. Bah, moi, habituellement, je préfère clairement le combinat d'armes expert. Ça joue que si t'as 10, mais tu me dis de motoriser ou de mécaniser, ça joue pas sur la brigade. Hein. Mm-hmm. Ouais. Donc du coup, ça ne joue pas sur la division. Si tu veux pas, on le fait pas. Hein. Non mais c'est pas ça, je te dis juste que ça joue pas. Je cherche le machin au pacte anti-communitaire, la conscience. Oui, comme ça on sera prêt. Non mais c'est pas une question de vouloir pas vouloir, c'est que ça a pas d'impact sur la division. Ok, alors prends l'autre. Il pète nos aéroports. Tu peux réparer l'aéroport du Caire, s'il te plaît, en prio, Zayn?
Il a ramené ma chasseur, hein, Jackie. Par contre, tiens, du coup, il y a Vitz le Ben, là. On lui met bien infanterie expert, quand on prend les trucs pour augmenter les puissances d'attaque de notre division d'infanterie. Oui. Tac. Il faudrait augmenter les aéroports aussi en Afrique. Ouais, mais je peux pas tout faire. Ah, je sais, non mais je... Je demande, c'est tout. Je peux pas construire des radars d'un côté, les aéroports de l'autre, réparer des trucs, ne plus avoir d'essence... Ah si, ça je peux, ça, tu vois. Quel talent. Ça serait pas plus rentable de me donner l'Irak, du coup? Comme ça, j'ai directement de l'essence. Enfin, si on arrive à garder la province, mais... Parce que moi, j'ai plus rien à construire, là. Je construis des trucs pas trop utiles, donc... On a fait un petit encerclement dans le nord. Oh, c'est mignon. Ah, putain. Pas mal. Fiddle, allez, vas-y, Fiddle, tu vas rattraper, là. Allez, vas-y, yes. D'ailleurs, Fidel, je t'ai envoyé, je te rends la Transylvanie, mais faut que t'acceptes. J'ai pas encore reçu l'event. Y'a pas moyen de complètement déborder pour prendre Téhéran, là ? En théorie, si. T'as pas dû l'accepter aussi, à temps. C'est aussi pour ça que mon temps que je l'ai continué un peu à faire pousser, hein, pour un des deux. Je te jure, j'ai pas reçu l'event. Reçu là. Mais non, mais. Non, toujours pas. Les droits d'accès. J'ai peut-être cliqué sur faire exprès, je l'ai confondu avec un petit peu. Les accès militaires, c'est. Non. Réglementaire ou pas? Oui, on file pas les accès. Tiens, là tu le reçois ça ou pas? Entre factions, c'est nous on les file pas au Japon, le Japon nous les file pas, tu les files pas aux alliés, les alliés te les filent. Alors, ça débarque derrière nous. Attends, mais je l'ai pas. S'il vous plaît, ça débarque derrière nous en. Je sais pas où, Suez peut-être, ou je sais pas où. Mais attends, je peux pas te donner Bagdad tant que j'ai pas la Transylvanie. Non, mais on s'en fout de Bagdad, y a plus important. Tiens, je t'envoie les trucs, mais si tu le reçois pas, j'ai peur rien. T'inquiète pas. C'est déjà foiré. Moi je perds un territoire à chaque session, moi. Je me fais baiser, ça. Tiens, je t'ai envoyé la... J'ai pas reçu l'event pour la Transylvanie, je te dis. Bah, c'est pas possible, ça fait 4 fois que je te l'envoie. Le chat, c'est moi. J'ai reçu celui de Bagdad, mais j'ai pas reçu celui de la Transylvanie. Attends, là t'es pas trop en retard, hein. Juste 6h, 8h. 10h. C'est bon, t'inquiète pas, c'était bien. Faut juste pas qu'il prenne l'aéroport, hein, c'est bon. Il prendra pas de port. Je vous mets du casse. Il va crever d'attrition. Bah gaffe, il peut arriver jusque Tel Aviv, hein, mais Bah je pense que c'est depuis Chypre, hein. Ah oui, en effet. J'envoie... Ouais, du coup, il y a eu un débarquement. Okay. Mais c'est pas... C'est géré. C'est pas trop un problème, mais Alors, faut quand même s'en occuper assez rapidement. Toujours pas reçu le roumain? Non mais c'est un délire, ça, quand même. Non, je te jure, j'ai rien reçu. Pourtant, là, je fais rien depuis tout à l'heure, mais... Eh, hey, je... Fidèle, moins fort, s'il te plaît, quand tu parles. C'est vraiment... Dans le territoire d'un contrôle occupé, vous materez plus facilement, oui, mais on s'en fout. Quelqu'un peut attaquer ici? Oui. Au niveau de Tibris, là, histoire d'éviter que mes tanks se fassent prendre en revers. Je
Roumain, est-ce que tu peux attaquer ici? Où ça, ici? Là où j'ai pingé. Ok. On a un manque de medium tank. T'as mal qu'on fasse du bombardier tactique, Ross ? Oui, oui. D'ailleurs, la production, il faudrait qu'on augmente un petit peu. Ça te dérange pas si on baisse un peu celle du Fogwolf ? Oui, enfin, moi, titre perso, ça me. Je dois t'avouer que je me sens pas concerné. Quoi. Alors, on va peut-être pas faire la tech de Wolfpack tout de suite, on va attendre de faire les techs d'industrie. Je pense qu'on a plus. Je pense qu'il y a, oui. Il y a des priorités, on est d'accord ? Oui, oui, oui. C'est... J'avais commencé. Tac. Ah oui, les bombardiers tactiques, c'est le truc pour lequel Zen m'en parlait. Oui. Tu parlais de quelque chose, moi? Oui, il paraît. Vous avez toujours passé de caoutchouc. C'est-à-dire que son temps par on a passé. Bah, il m'en manque. On en produisait pas assez. Salut Thomas. Alors. On produit dont on a besoin. Non, ça monte. Zayn, t'as été sondé Oh, c'est sale ce que tu viens de dire. Sondé? Oui, sondé la mer rouge. Est-ce que t'es là? Bah, sachant qu'ils ont lancé un débarquement et qu'ils ont okay, a priori. C'était quoi, était en train de combattre dans la chute. Une dizaine de navires dedans, non. Non, j'entends, mais par d'accord. Contre, je suis encore bloqué à 23h. Ouais. Ah, j'adore ces parties qui se déroulent sans synchro. Mais tu vois, moi, c'est aussi bien parce que ça permet d'être créatif, ces autres parties. Salut Arkel. Dans le genre de partie qu'on voit, les grands joueurs tout ça. Eh, tu vois, par contre, Amos, il nous manque. On voit qu'on n'a pas fait de la concentrer. Il nous manque un peu une puissance industrielle. Pourquoi il me dit que je contrôle ta brise? Ah, tu trouves? Ouais. J'en parle à Z, je le sens qu'on n'est pas en concentration. On manque clairement de. De matos par rapport à une vision qu'on a. Ah, est-ce que je troll? J'ai eu un accès à la mer, du coup je peux faire les techs maritimes. C'est du génie. Les réparations gratuites, ça fonctionne sur les infras? Surtout? Surtout normalement. Ok. Hein, c'est une musique de Seconde Guerre mondiale, ça. Il semblerait que j'ai perdu la moitié de la région de Marina et j'arrive même pas à le voir dans les rapports de bataille. Mais où est-ce que j'ai perdu la région Marina, en fait? Elle s'est abordée toute seule, tu l'as pas perdu. Bah, j'ai perdu la moitié des bateaux dedans. Mais je vois honnêtement pas de rapport de bataille. Oui, ils disparaissent au bout d'un moment, les rapports de bataille. Ouais, pour éviter de surcharger l'écran. Donc il faut toujours regarder partout. Oui, mais c'est relou, parce que du coup, je suis obligé de regarder que ça, donc... Ah bah, je sais pas c'est ce que je faisais avec l'Italie, hein, donc... Ah Amos, tu lagues. Quoi? C'était toi là qui laguait.
User joined your channel. Benoît, est-ce que je suis mort dans le jeu? Mort quoi? Parce que je reste le 22 décembre, donc je pense qu'on est plus le 22 décembre. Ah non, tout à fait. Ah oui, donc du coup je... Oh! Oh putain! Oh putain! Si, en fait t'es mort. Ah oui, non mais on est fait depuis là. Mais alors, je sais pas quand est-ce que t'as déco. Si le jeu me le dit pas. En fait, tu n'es pas dans les joueurs qui sont à la partie. Ok, ouais. Bon, je quitte, je reviens. Oh putain. Ah, le room va recharger. Hein. Oui, c'est ça le problème. Ah oui, alors désolé, du coup. Ludorus, est-ce que tu peux attendre de. Sans te commander, est-ce que tu peux attendre de voir son atteint Barbarossa et de voir Extreme Week? Je dis pas ça parce que je veux pas de Russe. Oui, enfin du coup, c'est sans inscription, vous comptez le déclencher quand? On sera à peu près vers juin, je pense. En fait, on est sur le pack quantique comme interne, il se finit dans 40 jours, plus on a 70 jours, donc on est dans 110 jours. Et c'est vers quelle heure du coup? Je sais pas. Okay. Parce que du coup, c'est que mon... Vers 23h45. C'est trop chaud, donc... si je devais en profiter, du coup, je le mettrais en pause et je reviens vers quand vous le déclenchez. Bah ouais, limite, fais ça. Tu as l'application Steam sur ton smartphone? Non. C'était une merde. Sale pauvre. Non, je suis pauvre, j'ai pas internet. Salaud de pauvre. Non, mais je vais rester avec le minimum de trucs ouverts et puis vous m'envoyez un... Honnêtement, à mon avis, tu peux quasiment revenir dans... Enfin, t'as largement 45 minutes, voire une heure, minimum. Ah oui, c'est là. Alors, tu vois les problèmes qu'on a depuis le début. Bon, depuis le début, on a fait 2 mois. Oui, non, mais je sais bien. Donc, à mon avis, t'as au moins une demi-heure. C'est pas qu'on t'aime pas, c'est juste qu'on te déteste. Non, d'accord. Non, c'est pas ça. Je vais regarder le The Event à la place. Putain, j'ai eu peur qu'elle allait dire qu'elle allait regarder notre stream. Ouais, bah non. Ouais. Tu donneras de l'argent aux Event, j'espère. Fais de la promo, tu mets ouais, là, le Mundus Bellicus, tout ça. Voilà quoi. Bah, du coup, plus tard. À plus tard. User left your channel. C'est vraiment la loose, cette partie. Pourquoi? Oh là là, mais tu ne sais depuis le début. T'as pas envie de jouer, ne viens pas. Par contre, pourquoi la Grèce a pas capitulé? Parce qu'il reste Héraclion. Corfou! Ah oui, Corfou. Même Héraclion, ça. Oui, c'est vrai que normalement, il reste Héraclion, mais je pense que c'est. Mais en fait, il y a toute la flotte anglaise dans le. Mais il patrouille tes navales ou pas? Normalement, tu devrais avoir 2000 navales sur l'aéroport de la Sicile, il y en a 200. Oui, et il y en avait 400 en machin, et je te rappelle que j'en ai perdu 1000. Ah, terrible. Si seulement tu me les avais filés. Ah là, la percée en Iran, c'est du génie. Ah, par contre, les États-Unis, ils évacuent leurs troupes par l'URSS. Ah ? Comment ça ? Non, alors ça, par contre, ils ont pas le droit, ça. Non, y'a rien qui a... Non, mais sérieux, non, mais là, c'est n'importe quoi, en fait. Y'a une poche, bah c'est pas grave, on va passer par l'URSS. Non, mais t'es sérieux, Benoît, tu dis qu'il y a rien qui l'interdit? Bah si, ça s'appelle la décence et le... Non, on avait dit pas le droit de passage. Mais il a pas le droit de passage. Bah si, bah regarde où sont les... Si, il a le droit de passage. Dispose de l'accès militaire en Union soviétique. La Grèce capitule dans 4%. C'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Apparemment, c'est erreur sur le COP parce qu'il avait refusé. Du coup, faut dire à l'Américain qu'il avance sur une province et il se laisse tuer. Des troupes à la frontière entre l'Iran et l'URSS. De quoi? Vous voulez que je mette des troupes à la frontière entre l'Iran et l'URSS? Aux zones qu'on contrôle, bien sûr. Oui, il va falloir. Oui. Ouais. Et après, c'est pas une urgence, hein.
Zain, je vais envoyer mes tanks à l'attaque au sud de l'Iran, tu me laisses le faire? Oui, bien sûr, j'étais en train de surveiller la bataille navale, j'annule mes attaques. Voilà, tu peux y aller. Au sud de l'Iran? Oui, j'ai arrêté d'attaquer. Ouais, ça a mis un peu de temps pour s'afficher, je sais pas pourquoi. Voilà, maintenant si tu veux donner un coup de main, tu peux de nouveau. C'est juste histoire que mes tanks sont en première ligne pour tenter de faire le forcing. Ouais, ça. Voilà. C'est chavé que t'étais une forceuse. Et qu'est-ce qu'ils ont fait de leur division, du coup, les... Bah, le truc, c'est que même s'ils les délatent, ils perdent pas le matériel, hein. C'est un peu con. Bon, après, je pense pas que c'est ce matériel-là qui va changer la vie. Hein. C'est toujours ça de prix. Zane, faut que tu mettes des garnisons en Grèce. Elle est belle. Il me faut plus de pétrole. Faites-moi tomber l'Iran là. On peut rien promettre. Si, tu peux faire une promesse Ubisoft. Promesse Ubisoft ? Ça veut dire qu'en fait je promets rien et je fais tout le monde. Maintenant que la flotte anglaise s'est faite défoncer et qu'elle est au port et que j'ai tué un porte-avions et... Ouais, tu mets ta flotte aérienne en... débarquement sur Gibraltar, sur un malentendu. Mets tes navals en strike de port aussi, si tu sais dans quel port ils sont. Non. Ils sont... Bah à Gibraltar j'imagine, non du coup. Bah je sais pas, ou alors ils sont à Ajaccio... Mets-les quand même, mets au-dessus de Chypre et Gibraltar en strike de port. Je crois que... Ah oui, ils sont peut-être même en Corse aussi. Oui, c'est ce que j'ai dit. Faut que tu rechanges tes dips de char. C'est-à-dire que t'en supprimes la moitié, minimum. Et tu gardes deux divisions à tout casser, mais tu fais des vrais dips. Et du char moyen ou lourd, quoi, du vrai char. Oui, bah quand je l'aurais recherché. Non, c'est pas ça. En fait, ça sert à rien de TVG. Et ils vont juste se faire. Ok, d'accord. Ça sert à rien. C'est très rigolo, tu peux les refiler à Zain pour qu'il ait des divisions rapides pour intervenir rapidement, mais c'est pas tout. Pourquoi l'Axe ne prend pas Chypre? Bah j'en sais rien. C'est comme moi quand je jouais les dernières fois. Alors est-ce que je peux avoir encore plus de trucs au-dessus de Gibraltar? Tout ce que vous avez au-dessus de Gibraltar. Des navions? Ouais. Non, ça va pas passer, je pense. De toute façon, on est en vert, donc ça sert à rien d'avoir un trou. Oui. Mais t'as toujours qu'avec deux divs, ça passera jamais avec deux divs. Ah, non, mais c'est des divs 40. Mais même. On est 520 closer support 1 dans notre stock. En fait, t'as pas compris, c'est que comme j'ai des casses, là ils prennent très cher au niveau de leur gars et du matos. Mais il faut que tes mecs tiennent longtemps, donc il faut 10 mecs qui prennent leur lait le temps que ça fasse le taf. Mais c'est ça, faut faire du roulement. Là, deux mecs, bon. Ah, 4, 2. Et alors, sinon, Chypre, oui. Bah, en fait, Chypre, c'est pas indispensable. Ah, par contre, on a pris la Crète. En ce qu'on a fait. Et non, bah, je fais pas de garnison avec le Hongrois, je mets tout dans l'aviation, donc. On peut faire des garnisons avec le Hongrois. On a 100 XP à moi. Je sais pas si tu voulais en faire un truc, mais. Idol, Taco, ne tient pas du tout là, tu remontes. Je voulais un peu plus d'XP, il nous en faut 135. Je pensais au 24 janvier. Bah en fait on est au 24 janvier mais t'es... Ah c'est bon tu remontes. C'est une catastrophe. Qu'est-ce qui est une catastrophe Amos? Sa connexion. Ah oui tout à fait. Ah mais t'es chiant ce soir Amos, t'es pire que moi. Excuse-moi, moi je suis quelqu'un d'honnête, hein. T'es chiant. Putain. Ah Amos? Oui. Tu as lancé discrètement la prod de 24 divisions. Oui. Et qui c'est qu'on a pas les MP pour se permettre? J'en balance que 24 de plus.
ça ferait 48. Majorité S1, il sera... Allez. Vidal, ta putain de co, fais un truc, pisse sur ton... Alors, qu'est-ce que j'affronte? Des Air Cobra A1, A2, Curtis... Des Hurricane... Putain, il n'y a pas assez d'aéroports au Moyen-Orient. Hein. Est-ce que à Dernas, je suis même pas sûr. Bienvenue à toi, Silvio. Que l'esprit Mundus soit avec toi. Tu veux quoi, le Caire? Tout ce que tu peux, en fait. Ouais, principalement en Égypte. Mais là, j'ai ma gueule coupée en deux. Putain. Ta gueule. Qu'est-ce qu'elle... Non, pardon. Bon, en même temps, j'ai mon siège au minimum. Donc peut-être... Voilà. Mais là, je vais être trop haut. Mais voilà, ma vie est pourrie. Alors, sinon, comme je disais à Zayn, si on... Si on est prêt à prendre tous les risques, on peut faire le focus pour s'allier avec l'Espagne et prendre Gibraltar par la terre. Je croyais qu'il fallait pas l'Espagne dans le truc. Ouais, je crois qu'on a rien mis. Je sens que ça va gueuler encore jamais si on fait ça. T'as raison. Non, de toute façon, en fait, c'est un plan de merde parce que l'Espagne, c'est un peu la porte ouverte. On va se faire défoncer comme des merdes. Déjà qu'on a été assez bête pour attaquer l'Iran, hein. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Je trouve que cette partie va de mal en pis. Remarque, si une déclare la guerre en mars... Alors, je viens d'intercepter 140 transports anglais. Ouais, j'ai eu un truc pareil. Zayn, je vais avoir besoin de toi dans les coins là. Amos, je remonte les divs blindés du Caire vers... Oui, vas-y. Vers Sintotas. Ah oui, il fait un CB manuel, Scramou, il en a rien à foutre. Ouais. Le 11 mars 41. Mais c'est pas toi qui es obligé de l'attaquer, non? Je vais lui dire. Oh, les gens qui lisent jamais les règles. Ça, c'est encore quelqu'un qui essaye d'abuser pour... Hein? Je ne vise absolument personne. Exactement. C'est pas un jour ça. Je comprends rien à leur truc dégueulasse. Ah, tentative d'attaque ici de Jackie le Sud-Africain. Qui a priori se fait éclater. Alors là, tu me diras que c'est. Qu'on va se faire du pacte. Alors, où sont mes petits bateaux qui vont sur l'eau? Les règles sont pour les moutons. Bah, on est tous des moutons, on est des êtres humains, donc. Tout à fait. Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau ont une des jambes. De violer les règles de du chat Twitch pour pas vous faire ban. Amos, je suppose que tu veux prendre l'expert de l'armée logistique pour la nutrition. Prends. Ou tu veux l'armée regrouping, je te demande. On va surtout se battre chez nous, visiblement, puisqu'il va être agressif. On a plus besoin de récupérer rapidement l'organisation. C'est à voir. Ah oui, il a mis son armée à la frontière. On est pas obligé de le prendre maintenant. J'ai encore une flotte qui a disparu, et je ne sais pas où. À nous non plus, hein.
Mais regroupe toute ta flotte et puis tu non, mais ça y est, elle est regroupée en fait. C'est quand je te dis que j'ai une flotte qui a disparu, c'est qu'elle a disparu. Est-ce que ça serait pas mis en réserve parce que tu n'aurais pas fait gaffe à tes limites? Non. Voilà. Très bien. Elle a disparu. Bah elle a dû couler. Regarde dans les rapports. Hein. Oui, mais je clique sur les rapports et... Non mais Marine, tu vas dans l'onglet en haut, Marine, et tu regardes navire perdu. On file du carburant à quelqu'un, Mons ? Ça va pas du tout tenir par ici. Bienvenue à toi, Louis. Que les Swimmons soient avec toi. Bah après, l'intérêt du russe, c'est... par où tu dis que ça va pas tenir ? Au niveau de l'Azerbaïdjan. Voilà, oui. Oui, très probable. Ah ouais, ça va être un drame, hein. Mais je vais amener des troupes, mais... Pas maintenant. Faut surtout protéger le front ici, parce que si moi je meurs, c'est fini, hein. Plus d'aviation. Il a pas mis des troupes pour vraiment ce côté-là. Je pense que ces troupes doivent être là, je pense. On les voit pas. Oui, c'est probable. Et comme ça, quand on avance, tu perds tes bonus défensifs et il contre-attaque et il me perd, c'est... Enfin, il te perd, c'est... Putain. Into Budapest. Into Budapest. Merde, il n'existe plus cet aéroport, il a été one shot. Donc du coup Benoît, il a le droit d'attaquer ou pas? Allô? Oui, attends. Pour savoir si je redirige directement mes avions ou pas. Je le fais pas encore, mais... Après, Scramou, s'il joue comme d'habitude, il aura pas beaucoup d'avions et... Il aura fou anti-aérien. Ah, il a 4K maximum, on voit. Juste pour vous prévenir, les gars, on va attaquer vers le 25 mars, d'accord? Ok. Pour te dire, nous, ça va s'écrouler d'ici je sais pas combien de temps. Ton front ou leur front? Au nord, il va bourrer, il a mis des divs dégueulasses. Ah oui, merde, c'est vrai. Du coup, il faut qu'on prévoie d'avoir une armée de garnison qui défende les ports. Attendez, je m'absente. Bah oui, parce qu'en plus, maintenant que j'ai plus l'Irak, j'ai perdu plein d'usines. Je vais chercher le truc de voir en URSS. Ah ! On va découper du tic sur le char, je crois que ça va nous faire du bien ça. Bon, attends, le roumain, on va retester. C'est le contrôle d'un état. Avant, on n'avait pas mis de l'antir plutôt que de la retirer dans nos chars? J'ai pas souvenir. On en a mis ou on en a pas mis? Aussi, on a de l'antir sur nos chars. Bah ouais, mais là, je vois de la retirer, je vois pas l'antir. Et à côté de ça, on avait laissé de l'arco dans nos chars, on avait dit?
De quoi? On avait dit qu'on laissait de la reco dans nos chars? Bah oui. D'accord, mais on s'en est vu. Et on avait laissé qu'une seule ligne. On avait deux lignes de motorisés. Non, ah, c'est sur la fin, moi j'étais, de toute façon j'étais un peu malade ce jour-là, c'est toi qui m'as commencé à toucher la prod. Non, il n'y a toujours aucun event. Non. C'est buggé du cul. Bon, et bah, je peux pas non plus te demander à toi, c'est bizarre. Bon, on peut rajouter... Ah! Attends. Ah, c'était peut-être pas la bonne vie que j'avais. Non, c'est bon, Loss, c'est bon. Ok. J'ai de la merde. Mais je le fais avec conviction. Très bien. J'espère que tu notes. C'est noté. Et tu seras jugé en fonction. Ah merci Amos. C'est la tristesse, Iran. On va se faire... Non, le Japon peut pas attaquer le RSS, ça ne se fera pas avant 45, je crois. Zoom de tête. Préparez la fuite, les gars. Je vais être... Ça va tellement être un drame, cette campagne de fuite. Oh là, le drame de l'armée allemande. Mais vraiment. Mais du coup, c'est le russe qui déclare la guerre ou. Non c'est nous. Oh, ok, bon, ça va alors. Bourrer les défenses au nord, vraiment. Genre. Oui, il y a des troupes qui sont arrivées au nord. Mais qu'est-ce qu'ils fassent de là à là, c'est là où il y a les meilleures troupes, donc. Ah, tu veux dire au nord ici mm. Oui, il y a des diffs dégueulasses, full enfin. Énormes avec de l'artillerie et tout. Mais c'est de la merde ça. Non, c'est Scramouille, c'est ce qu'il fait. Ça, non, c'est de l'infanterie, et l'infanterie, ça pue. Mmh, bah tu vas voir. Quand il va faire un clic droit et que nos troupes vont faire... On en reparle. Ah bon, ok. On a rapatrié des chars... Mais Mel, je suis pas sûr que ça vaut le coup de le tenir. Hein. Et d'ailleurs, vous n'avez pas protégé cette province-là, qui est reliée, je crois. Oui, elle est reliée, je te confirme. Moi, je défendrai pas Memel. Hein. Parce qu'il peut attaquer 2-3 provinces, là, d'un coup, vous allez vous faire péter le cul. Hein. Mais non, tout va bien se passer. Je pense qu'en soumis, Ardus a déjà négocié la paix, sans payer avec les alliés. Tout à fait. En tout cas, moi, j'en fais pareil. L'Italien, lui, il avait déjà négocié avant de déclarer la guerre. On va se faire... Ah, les divisions russes encerclées. C'est presque le truc le plus joli. Si vous attaquez les Russes, là. En plus, c'est vraiment celui qui se bat le mieux. C'est ce que je suis en train de faire. Donc si tu pouvais terminer la poche... C'est Amos qui gère. Ma flotte aérienne qui est en Iran. Le terrain est tellement dégueulasse qu'il est niveau 4. Pas sûr qu'on soit prêt à faire cette guerre. C'est ça comme ça, mais... Je suis pas très sûr non plus, je vais t'avouer. Ah, c'est bien, je suis heureux. On va se faire recte. En même temps, un mot J allemand, bon... Attention avec tes chars, Amos. J'ai remarqué. Mais après, je vous dis, je suis obligé de passer d'autres champs de la Seconde Guerre mondiale parce que les champs hongrois, Seconde Guerre mondiale, on n'a pas trouvé sur YouTube. Donc, Je te excuse, mon garçon. Tu
peux récupérer la province qui est là. Juste en dessous d'Ispahan. Tu encercles là. Elle est déjà en train de retraiter la division, je fais ce que je peux là. D'accord. Oh, on est que 57% de... on peut pas faire non, on peut pas, fait chier. La pro worker condition? Non. Ouais, on peut pas. On faut attendre encore un peu, c'est... il y a le cooldown encore. On peut toujours tenter de faire des promesses de paix, mais vu qu'on est en guerre, je suis pas sûr que ça marche. Non mais faisons des promesses de paix, je pense que dans le doute ça fonctionne bien. Mais ils se battent plus en face. Ouais, nous non plus. On va tellement se faire rect. Bon. Il y a combien d'usines de petits russes là? Alors il a... Là... Je veux dire quoi 42 42 de quoi? Je sais pas, dans le doute. Ok. Bon, on est en train de faire un max de d'usines synthétiques, donc ça ouais, peut-être même un peu trop à ce niveau-là. Ouais, mais en fait, c'était pour bloquer en cas de besoin, mais du coup, on pourra en supprimer pour faire. Puis quand, comme tu vas faire la tech, on va remonter des unitaires, tout ça. Moi, j'ai envie de plus de Henkel. Je crois qu'on est pas trop mal à Henkel. Hein. Oh. Ah ouais, non, effectivement. Mais il me manque trop de caoutchouc, hein. Arrête de te plaindre. Mais il m'en manque 20, donc c'est la prod globale de mes chasseurs qui se meurt. Hein. Arrête de te plaindre. C'est pas compliqué. Tu me fais plaisir, Zayn. Je sais. Tu l'as vu, n'est-ce pas? Oui. Ça va être quoi? Là, d'une tenaille potentielle... Faudrait me prendre l'aéroport non. Ici, si possible. Alors, oui, techniquement, on peut dire que c'est une tenaille, mais... C'est bien, en plus, il y a l'aéroport dans le secteur. Bon, du coup, on fait la dernière tech, Yamon, The Doctrine ? Oui. Ça va tellement être un drame, cette guerre. J'ai bientôt la recherche nucléaire. On est heureux. Je suis en train de me dire qu'est-ce qui est le pire au milieu de tout ça. Les V2 sont en projet, bientôt. Bon, écoute, derrière, il gagne quand là, ses XP? Il est pas prêt de passer des Air Fox? Même Hill Fighter, c'est pas fifou. Ah, le truc qui est mieux placé, c'est Montagnard. C'est toujours ça de prix? Ouais, tout à fait. Ça, hein. ça rendra nos divisions blindées un peu moins nulles sur cet aspect-là? Oh, Mousse, c'est pas drôle, mais je n'ai pas la supériorité maritime.
Tu vas te la donner. C'est bien ça. Ça coule tranquillou du sous-marin. Je sais pas ce qu'il fait l'anglais, mais... Ah oui, il vient de passer sa salle de conscription. Putain, il... Donc oui, ah oui, non, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Le russe a plus d'usines civiles que nous. Et... Ça, ça devait arriver. Ouais, et il nous rattrapera peut-être en militaire. Enfin, sauf si on le... Sauf si on avance bien, tout ça, en... Et en Barbarossa, quoi. Ah, mais c'est un peu le drame là, on est. L'économie. Tout ça. Ouais, ça arrive. Je t'avouerai que c'est pas du tout comme ça que j'imaginais que cette partie allait se passer. Bah, t'imaginais quoi hein? Franchement, honnêtement, je m'attends déjà pas à ce qu'on se barre. Parce qu'on se barre en, comment dire, en Irak. En Iran. Et en Iran. C'était pas du tout prévu, ce qui fait que bah ça, c'est con, mais ça consomme. Mais Amos, on est complètement historique. Y a rien de prévu dans le plan. On improvise en non-stop. C'est ça qui est beau. Tu vois, y a un côté beau là-dedans. Cette partie est un foutoir total. C'est clair. Et en plus, il y a que nous qui avons les diffs pour percer. Ni l'italien ni le roumain, on peut faire quelque chose. Moi je pourrais attaquer avec mes avions au sol. Ah, laissez-moi tes avions au sol. Ils rouleront, ça ira vite. Hein. Il a combien de capitulés le. L'Iran ? Ouais. L'Iran. 14%. Ouais, quand même. Ouais, c'est Bandera basque en gros, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'essaie désespérément de passer, mais ça n'a pas l'air de vouloir passer. Par contre, je pense de toute façon que les gars, le rush, ce sera même pas la peine d'y aller. Hein. Si jamais vous allez au bout, vous mettez à la frontière et vous attendez. Hein. Vous faites des efforts. Ça, c'est déjà ça, on va dire. Ouais, tu prends le truc où t'as quoi, 4 provinces pour défendre, à peu près, 3-4. Il y a toujours que 4 divisions, l'autre. On va se faire défoncer. Bah oh. Au moins cette partie ne durera pas. Et puis comme ça, tous les mecs étaient en mode « Ah, l'axe est trop puissant !» Bon bah voilà. Et après on dit que c'est moi qui suis défaitiste, et quand je suis défaitiste, on me dit que rien de ma gueule. Oui, mais nous, on dit ça de manière drôle, tu vois. C'est... On y va avec le sourire. L'anti-aérien, non, ça sert pas à rien, l'anti-aérien. Non, c'est même trop fort en fait, actuellement. C'est un peu le truc obligatoire. Ouah, les combats qu'il y a de partout. Le russe a complètement abandonné la ligne de front sud. Non, il est derrière le fleuve. En gros, il recule un peu, comme ça, il va défendre là où il peut. Est-ce qu'ils peuvent appeler tout le monde, arrêter de les appeler par morceaux? C'est vrai que c'est chiant. Ah, Amos, tu l'as eu un peu. Ouais, bah oui, ça arrive. C'est son toaster. Ah, d'habitude, la Malaisie a la masse usine militaire, là c'est l'inverse. Ouais. Bon, ça va pas l'air d'être le drame au Siam. Mais pourquoi Silver a toujours pas annexé le Megoku? Ah oui, non, c'est vrai, puisqu'il est dans la branche à côté. C'est ça. Non, moi ce qui m'a étonné, c'est qu'il a pas fait la réforme du service, du civil service. Bon, on va 10% de la réforme publique, ouais. Ouais,
Ouais, c'est ça, le Japon il se touche la nouille. Belle blague, j'approuve. Comment ça il se touche la nouille? Bah, c'est le Japon. Ouais, alors ça aurait été le chinois, j'aurais compris, mais bon. À la limite, j'aurais dit. Le Japon il se ramène pas. Ça aurait eu un sens. Mais... Ouais, mais est-ce que tu serais en train de me dire. Que cette blague, c'est ni bon ni mauvais, c'est ça? C'est ça. C'est quand même mieux les blagues à R2Zus, quand même. Ah, regardez, le stem se fait débarquer dessus. Ah non, ouais, il a avancé, toi? Oh là là! Non, il avance. Non, j'ai eu peur. Pff, j'ai trop dézoomé, j'ai cru qu'on débarquait un débarquement à Gênes, j'ai. Non, pas du tout. Non, il se fait. Non, là, tu m'as fait peur, par contre, genre quoi, un débarquement à Gênes? Non, le Siam, non, le Siam, il bouffe le zizi birman, là. Il s'est pas fait débarquer dessus. J'avais mal à l'île de front. Il y a des combats dans l'Himalaya, un truc vraiment impressionnant. On voit que ça avance bien côté du Siam. Je crois qu'on peut le dire. Peural avait raison, c'est la règle était cheatée. Hein. Allez, on accepte le pack de non-agression de Nendoku. Je pense que. Ça lui fera plaisir. Ouais. Passe-nous des champs significatifs. Putain. Bon. Beaucoup de combats autour de cette Malaisie. Elle est belle cette Malaisie. Hein. Beaucoup de combats. Ah, la Nouvelle-Zélande avait oublié d'entrer en guerre. Elle fut rappelée à l'ordre. C'est le genre de choses qui arrivent. Et je crois que nous sommes officiellement en guerre contre la Nouvelle-Zélande. Je crois aussi que les Alliés avaient oublié que la Nouvelle-Zélande existait. Ça aussi, c'est une possibilité, je le dis souvent. Les Néo-Zélandais ils disaient ouf, ça y est, on va pas rejoindre la guerre, on sera tranquille, et en fait, non. Ils y ont cru, mais non. Ah, ça a pas trop mal diminué les convois anglais. Ils ont moins d'un cas maintenant, c'est pas mal. C'est toujours ce prix. Oh, un aéroport de ses morts. Tu vas dire un mot, ce que ta stratégie consomme beaucoup en matière d'aluminium. Hein. J'en ai 75 à exporter. Ouais, mais on achète chez l'Italien là pour le soutenir un peu financièrement. Ah, on a pas mal d'SPG, donc on va peut-être faire, on va peut-être augmenter les usines dans le Panzer 5 et diminuer dans le ML. Tank Destroy les 236, c'est pas mal. Là, normalement, on a la complète domination aérienne de l'Iran, donc finissez-le, hein, qu'on en parle plus. Ah ouais? Déjà, il faudrait qu'il y ait quelques divisions de Zayn qui arrivent un peu plus au nord pour que j'essaye d'avancer encore un peu. Ah, tu veux avancer par là? Ok, d'accord. Bah, en fait, je veux avancer là où je peux avancer. Là, là j'attends qu'il y ait des divisions qui. Ludorus arrive. Rappeler. Par Scramouille. Bon, c'est quand même coûteux hein, cette guerre sous-marine, mais. On va dire que c'est rentable, bon. Ah bon, alors du coup, ne pouvant avancer sur le British Malaya, les Japonais ont débarqué sur Java, Sumatra, Bornéo. C'est bien. Ah non, pas sur Java, pardon. Ça reste bien. Il y a un effort beaucoup trop important pour que je puisse débarquer sur le sud. C'est vrai? Ouais. Ah. Ils ont genre 25 navires. Ah, 16 à 18 navires. Bon. Putain, j'ai mal aux yeux.
On a mal aux yeux. Il faut savoir que le commerce entre les États-Unis et la Russie est perturbé grâce au courage inégalé de la Kriegsmarine. Alors, on fait tomber l'Iran là ou Mais tu sais, je sais même pas si c'est une bonne chose que l'Iran tombe. Hein. Ah, il a massé masse troupes dans le Caucase, hein, donc l'Afrique va falloir vite. Ah non, mais non, t'as pas compris, ça va être un drame, ça va tellement être le drame. Après, tu me diras, on a 4 divisions de chars hein, de ce côté-là, donc du coup, on peut toujours avec nos chars. Essayer de passer par Bakou. Ah, c'est tellement le drame. Mais non. Tout va bien se passer maintenant. Zen, tu sais que c'est un drame, alors arrête. On fait toujours passer de caoutchouc. Écoute, on arrête pas d'en produire, hein. On a toutes les usines qui produisent du caoutchouc. Synthétique. Ah mais vous êtes qu'en export limité, c'est pour ça. Ouais, mais on fera pas plus. Parce que sinon ça va être un drame sur l'aluminium, tout ça, et on fera pas plus. Bah, on avait plein de la vue, c'est pour ça. Alors, à moi je me posais la question, en termes de tech, est-ce qu'on refait un peu de tout ce qui est guerre commerciale, ou est-ce que... Enfin, est-ce que t'as une tech vraiment significative à prendre? Là, en l'état, les anti-chars. Sinon, non. Ouais, non mais c'est un aéroport taille 400. Mais on a déjà la supériorité aérienne, donc ça sert à rien que j'en mette encore d'autres. J'en ai mis trop, en fait, là, des... Il y a plus de Persans et d'Irakiens que de Hongrois dans mon pays. Vous savez, les prévisions du ministère de l'économie sont claires. Notre aviation, qui est ridicule, peut potentiellement consommer plus que la Kriegsmarine, qui est nulle. Voilà. Bon, après, bon, la guerre contre l'URSS, on ne déclare pas tout de suite. Si. Enfin, si, parce que... Ok, on déclare si, tout de suite. Sinon, ce qu'on nous aura attaqué. Alors, justement, c'est pour le fichier. Oh, attends, juin, au moins. Bah, de toute façon, on pourra pas avant juin. Ah, si, on peut dans 4 jours. Donc, mais. C'est juste que je pense pouvoir faire capituler l'Iran, donc. J'aimerais bien me débarrasser d'elle. Régis, il faut que l'aviation soit prête pour l'attaque du RSS. Faudrait que vous. Bah, le problème, c'est que. Ouais. Vous avez des avions, vous avez posé. Dégagez de Varsovie, s'il vous plaît. On a rien sur. Ah si, on a 400. Ici. C'est normal, il faut les laisser là où ils sont, les tactiques. D'accord. Le chef a parlé. Tu veux qu'on les envoie directement bombarder Moscou? Oui. Bah, du coup, je les mets en. Ils sont en bombardement d'infrastructures. D'accord, donc tu veux bombarder les infrastructures de Moscou, ok. Oui. Bon. Bon, messieurs, c'était une partie sympa. Du coup, on peut arrêter maintenant, c'est ça? Attends un peu, là, c'est... Attends un petit peu avant de lancer. On fait quel focus? Pardon, tu veux l'amitié avec la Turquie? De quoi? Amitié avec la Turquie, c'est ça? Soit on fait les rénovations, soit on fait de l'air production. Non, peut-être l'Atlantic Wall. Si tu veux. Bah, pour avoir de quoi se défendre, quel besoin, non? Ok. On va peut-être faire les trucs de carburant des raffineries, on va en avoir besoin. Il va falloir que ça roule. Bon, on se lance? Alors, j'ai envie de dire pas tout de suite, mais Bah, ouais, mais bon, il y a un moment, on va pas dans 10 ans, les gars.
Allez, on se lance. Je clique. Non. Ah. Ah, parce que... L'Iran est à 1% de capituler, en gros. On fait capituler l'Iran. Et puis après, c'est... et puis après on rentre dedans, ce que... On fait capituler l'Iran et on se redéploie à la frontière, et puis voilà. Et là, on y va. Zayn, est-ce que tu peux attaquer ici? Oui, je peux. Putain, les aéroports sont pourris. Qu'est-ce qui se passe là? Bah, l'île de Russie arrive. Ah. Bon, je reviens dans une demi-heure du coup. Hein. Ouais, c'est ça. Bah, je vais me chercher un petit verre d'eau, moi je reviens. Bah, moi je vais me faire un café, une clope, une branlette et une partie de billard. Bon, j'ai 24 divs de plus qui arrivent. Par contre, elles sont pas entraînées. Mais c'est de la taille 20. C'est mieux que pas avoir de divs. C'est ça. Et je pense que j'aurai 48 divs dans le coca. Je pense que ce sera assez. Et une fois qu'on a nettoyé le reste, tout le reste, ça va se positionner devant le désert. Même si en même temps, on a des divisions blindées dans le coin. Et. Ça peut être rigolo d'aller prendre des trucs dans l'Oural. Ça peut être très nul, mais ça peut être très rigolo. Cette partie de l'enfer. Mais je suis content de notre petite guerre en Iran, tu vois. Si ça a pu un peu te remonter le moral, je prends. Ah, mais tout ça. Non, mais c'est. J'ai pas la supériorité navale dans le. Ouais. Bon, et c'est, ça me rend méga triste. Hein. De quoi? De pas avoir la supériorité navale. Non, c'est pas un drame non plus. Résus? Ouais, voilà, c'est bon. Pour que ça passe, il faudrait que tu mettes beaucoup, beaucoup plus d'efforts. J'ai tous mes sous-marins en fait, mais ils ont pas la portée. Et, oh la vache! La division! Regarde. Et c'est bon les gars, j'ai plus d'essence. C'est vrai? Ouais. Bah le chinois là il a pas t'enfilé? Non, oui il peut m'enfiler mais là de toute façon on va sur un truc en Inde. Bah, en même temps vous t'as pris les Indes néerlandaises là, t'as pris un peu là? Non, mais bon, mais je vais repousser parce qu'en fait il avait déjà toute sa flotte sur place en fait dès qu'on a dos. C'est ce que je veux dire. Et il avait toute sa flotte sur place dès qu'on a dos. Ouais, normal. Et Amalaya, ça passe pas? Non, ça passe pas, ça passera pas, il y a des chars lourds. En parlant de chars lourds, Zayn, Égypte. Oui. Qu'est-ce qui se passe en Égypte? Ah, ils sont passés. Ah, c'est bah, ils surveillent pas. Bah, non, Résus, j'ai des yeux partout. Moi, je prépare Barbaros. Ah, mais tu t'es barré avec tes chars? Bah, oui. Oh. Non mais attends, on va juste se prendre un drame en front russe, on va se battre un peu avant quoi. Je pense que je vais perdre 15 divs. Hein. Bah non, mais non, t'attaques avec les divs à côté, tu fais du rail, ça passe tout seul. Je vais faire traiter avec du rail. Oui, tu fais traiter avec du rail, c'est bon. T'envoies 3 divs attaquer, ça passe nickel, et voilà. Comment ça les faire retraiter avec du rail? Vous voulez le faire signer des oreilles ou ça se passe quand? Putain, j'ai enlevé mon visage en caméra et on a gagné 5 viewers. Tu lances les attaques, Zayn? Oui. Tout de suite, je remets mon visage. On en perd 5 dans les secondes qui suivent. Viens là, mon chat. Hop, c'est bon. Le fil commandant Noisette est là. On est prêt à attaquer.
Boy. On est ready? Vous avez fini? L'Iran est tombé ou pas? Non. De toute façon, ça changera rien qu'elle tombe, qu'elle tombe pas. Les gars, ça changera rien qu'elle tombe pas. On déclare la guerre. Les alliés sont là. On est même pas en juin, on attaque avant la date historique. Oh. Bon, les gars, on. 98% de kill. Enfin, moi en vrai, je m'en fous, hein, mais c'est pas ma question qui me passe sur le front. Les gars, on se lance. Parce que sinon, ce moment, il aurait pu nous attaquer aussi. Allez, go. Ah non, ça a rien changé. Microphone muted. Résus, tu as de la. L'aviation à mettre en défense sur toute la zone est? Oui, enfin la Moldavie. De quoi? C'est possible de me redonner supériorité aérienne. Il a foutu 2500 chasseurs en Western Pologne. Ou en fait tu t'es complètement barré d'Egypte. Ah oui, non, mais en fait Résus c'est complètement barré d'Egypte. Microphone activated. Attends, je reviens en Égypte. Non mais c'est trop tard. En fait, tu t'es complètement barré, tu m'as rien prévenu ni rien. Bah j'ai pas le choix, hein. Là, le front russe, je pense qu'il est prioritaire. Benoît dira pas le contraire. Oui, le front russe, c'est important. Enfin après, on a 600 chasseurs en Iran. C'était pour faire tomber l'Iran, je l'ai rappelé, t'inquiète pas. Ah on ne perce pas les divs de char, hein, ça, je... C'était obvious, hein. Non, mais je dis ça parce que Amos ne voulait pas faire des divs avec pas mal de tanks destroyés. Non, je sais pas exactement ça. Tu accuses le leader suprême de mentir? Amos, honnêtement, vu la strat de Scramouille, avoir quelques divs de char full. Quelqu'un a miné la mer Noire? C'est la mer Noire. Moi j'ai rien fait. Non, pourquoi? Bon, bah, c'est juste la mort complète en Afrique. Hein. Eh ben, replie-toi à la main et repliez-vous d'Iran, ils vont vous couper sinon. On ne peut pas se replier à ce point-là maintenant. Bah c'est ça ou un drame après. Hein. Voilà, parce que là ils là ce qu'ils vont ils vont envoyer des divisions blindées. Ils vont rusher la côte palestinienne donc au doigt. Hein. Voilà, je gère le fond russe maintenant donc. Ah tiens, on arrive à avancer sur les buts de score, oui. Avec ce que je mets dans les ailes à Pologne, j'espère bien. Après vous avancez dans les... Ah même sur les autres là-bas. Ah mais c'est pas les divs de... d'artillerie. Avec ce que tu veux hein. Ah et, on... Et, moi tu sais je suis quelqu'un de content, Résus. Tu vois, au fond c'est criminel de me retirer mon bonheur.
On me dit sur le chat de débarquer, de miner, de bombarder, de micro-gérer, de réformer et de communiquer. C'est un programme relativement court. Et c'est pour ça qu'on l'aime bien, parce qu'il est simple. Ah, mais il a construit masse anti-aérien en Est de la Pologne, le salaud. Il y a genre 15 anti-aériens. Hein ? Qu'est-ce que tu racontes, Acide ? En vrai, t'avais raison, île de cheveux, tu lis jeune R2. D'accord. Ah, ça doit être vrai. Certainement. Le roumain, tu peux me l'enlise ou pas du tout ? Tu l'enlise en toujours en pétrole. Ouais. Oui, attends, je vais te le faire, mais... Tu peux réessayer une dernière fois le truc de la Transylvanie. Oui. Ce sera juste la 15e fois. Céder le contrôle. Bon, je ferai l'intercession. Voilà. Et tu peux pas me le demander, toi ? Alors j'ai rien reçu, mais non, je peux pas te le demander. Je peux te demander le contrôle d'un état, mais il n'y a pas... Demande-moi le contrôle des deux Transylvanie, là. Non, mais il n'y a pas le truc de la Transylvanie. Tu peux un peu avancer en Iran. J'ai genre les trucs du Moyen-Orient, Khorasan, Isfahan, Voïvodine... Parce que l'Iran est à 99% de la capitalisation. Ah non, Voïvodine, c'était à moi dès le départ. Deux de supplémentaires, ça pourrait nous aider. Oui, justement, mais c'est des exemples, tu vois. Mais genre, je peux pas demander l'état de Transylvanie. Zayn, tu m'as entendu ? Oui, c'est encore. D'accord, merci. Ah, la DCA me défonce mes casses, hein, je vais devoir arrêter. Hein. Je vais voir combien j'en ai en stock, mais... Vous avez intérêt à vite gagner en Est de la Pologne. Hein. Tout va bien. Où sont les tanks qui font les percées ? Bah ils sont là. Les anti-aériens ils sont posés au pif ou ils sont à côté des aéroports ? Non, ils sont posés à l'aéroport. Putain. Non, j'avais pas plus de cheveux quand j'étais jeune. Là, j'ai un chignon, là, ça se voit peut-être pas, mais j'ai un chignon. J'ai mes cheveux arrivent en bas du dos, j'ai déjà dit 10 fois. Ah oui. Oula, il se passe des choses sur le front italien. Oh oui. 1 jour et 6 heures. J'ai remis des avions, peut-être pour ça. 6 heures. 1 jour et 6 heures de quoi ? 1 jour et 6 heures, on est en Afrique du Sud. Ah. Vite, il faut attaquer ici, l'Italien. Sinon, il va reprendre le port pour s'enfuir. Je pense qu'il va falloir quand même envisager de faire des deals plus ou moins... Enfin, de virer les tanks d'escouade de deals de char. Et de faire des deals uniquement char et tank destroy qui auront pour fonction de taper les chars adverses. Je trouve ça peu efficace. Mais on perce pas ! Oui, en même temps, peut-être qu'on aurait perché si t'avais pas touché le truc. Je boude. Mais non, il nous manque trop de points là. Alors, c'est dit de scramouille, il nous faut un gros score de piercing. Enfin, un gros score de piercing, un gros score de hard attack. Ah.
Ah, il manque trop de caoutchouc. Hein. À ce moment-là, on commence à redistribuer un peu la production vers le Jagdpanzer B. En fait, il y a tellement de plus de prod vers le Jagdpanzer B qu'il faut hein, c'est virer le Jagdpanzer B de notre vision de char. Et faire des dives un peu comme ce qu'on a fait avec d'autres moteurs, mais avec le Jagdpanzer B. Go go, go go les Italiens. En piercing. T'aurais dû faire de la cave là. Si t'arrives à prendre l'aéroport, je pourrais mettre des avions. Pas la qui. À la... l'italien. Et malheureusement, il s'est rendu compte de ce qui se passait. Ah, c'était un peu gros en même temps. Là, du coup. Bah, le Sudaf. Ah. Mais il a une livre en fait. Vas-y, prends Pretoria, ça devrait déjà bien aider. Ah oui, t'as les 5 autres qui arrivent. Oui, oui. Midori, ça arrive. Du coup, on a une heure de pause. Ah, mais t'es pas déjà arrivé? Il y a crash. Quel enfer. Ça arrive de temps en temps. Oh, Fidel n'a pas à charger, c'est du GRC. C'est... Ah moi j'ai pas vu quel techno t'avais lancé. Faudrait peut-être qu'on fasse les logistiques 2. Oh, on marche pas. Si, si, on va en avoir besoin pour les chars de toute façon. Bon. On avance au centre. C'est Régis qui a récupéré l'Iran. Nom de Dieu. Ouais, bah après, il peut leur filer. Hein, pas de... ils ont réussi à reprendre le port. La moitié de l'armée américaine va se barrer. Ouais, mais à la limite, c'est peut-être pas plus mal. Hein. Non, mais qu'est-ce qui se casse, mais que les combats se finissent rapidement, quoi. Ah, dans ce sens-là, oui. Et puis, vous mettez une ligne de défense au point le plus réduit. Et puis, bah après. Après go quoi. Après, on fait autre chose. Hein. Bon, le russe du coup, il... En fait, à moi du coup, tu. Je m'occupe de du russe ou ça, c'est ça? Pour le moment. Ok. Je termine l'Iran. Ok. Tu fais un merveilleux travail. Amo c'est monomaniaque. Bah, alors, écoute, moi je dois t'avouer, ma strat c'est on atteint le fleuve, on y campe, et après on verra ce qu'on fera. Je suis d'accord. Vas-y, éclate-toi. Mais du coup, Amo, je plaide pour la réorganisation des divisions de chars. Tu peux créer une nouvelle division de chars et puis on passera sur avec les TD. Je veux pas pour le moment que tu retires l'anti-char sur le sur les divisions. Ok. Sinon, Fidel, pourquoi tu te suicides en boucle à travers le fleuve? Alors, je tombe des trucs, mais ça n'a pas l'air très efficace. Oui, non. Ouais, ça sert à rien de charger à travers le fleuve, là. Bon. On vous rassure, j'ai mis des glaçons sur mon ordi. Quoi? Il a peut-être dû passer en 3G maintenant. Allez, on est reparti. Vous forcez que sur l'est de la Pologne là. Mes avions, je les mets pas ailleurs. Ouais. Il m'a défoncé mes casses, hein, je suis en déficit de casses. Alors bon,
je capte toujours le H+. Ouais, ah, c'est Mac Zensel qui lag un peu là. Je tiens à le dire. Pas toujours les mêmes. Voilà, faut le cap et c'est fini. Ah, regardez. Comme dans COH2. Regardez. Il fait démotoriser le... Fais gaffe l'italien, il va te couper là le... On joue à cap ou pas cap, c'est ça? Il va me couper où? Attends, je suis occupé sur d'autres fronts. Mais non, il va pas me couper parce qu'il y a des divs qui arrivent. Ah, les combats sont ratés d'un coup. Ouais, t'as mis les sous-marins tout autour là, comme c'est pas partout. Alors forcément. Du génie. Ah si, l'américain. L'américain arrive en panique. De l'Iran. Iran, Tanzanie, il arrive. Ça va pas être la même chose. Hein. Non, il y a des forteresses russes dans le Pripyat. C'est une variante. C'est pas les focus du mur Staline là qui lui donne ça? Bah non, Staline. Bah non, on peut dans le Pripyat. Non, niveau 3, niveau 2, niveau... Je sais pas. Hein. Ah mais c'est non, c'est des marais dégueulasses, donc ça renforce encore... Hein. Non, c'est pas con. J'ai pas dit que c'était con, j'ai dit que c'est une variante. De mettre des forts. Parce que d'habitude on les voit pas là les forts. Ah, bah oui. C'est ingénieux. Où est forcé là d'ailleurs? Putain, le Japon a déjà pris cher quand même. Ah bah il a dit hein. Et on a, vous avez déjà quasiment deux fois plus de pertes que le russe. Ouais. Mmh. Vas-y, il faut que tu prennes Captain et ce sera fini pour le... Bah j'essaye, mais... Attends, vous avez des barres qui sont sur le sud-est ? Oui, oui, depuis tout à l'heure, oui. D'accord. Ah mais oui, mais je t'avais dit que c'était un truc qu'on ferait, donc... Mmh. Je peux pas mettre de souterrain par contre parce que j'ai pas les aéroports. Ça arrive, ça arrive. Mais les trucs qu'il a récupérés, c'est pas... Non, état colonial, ok. Il y a une div de mecha. Je sais pas trop qu'est-ce qu'il fait avec, mais... Ça va trop vite pour Amos. Mais non. Bah en fait, ça allait un peu trop vite, effectivement, parce que j'avais beau lui dire, donner des ordres, le truc, il en avait rien à péter. Son toaster est en PLS. Mais non. Amos est grand. La question n'est pas là. Amos est un robot. Alors, je sais pas si Amos est grand, en fait, mais du coup, Résus, lui... Et petit. Ne tient pas. Je tiens à dire, j'ai fait un encerclement de focus. Alors c'est pas l'encerclement du siècle, je tiens à dire tout de suite. Mais... Voilà. C'est trop... C'est deux bataillons disciplinaires et deux vieilles caves de 1914. Écoute... On a fait un encerclement. Voilà. Ça peut t'aider à peut-être pas tenir.
Surtout qu'il va pas tenir si tu ne n'apportes pas un soutien plein et entier. On a un aéroport, Régis. Combien de places? 200. Tu veux quoi, du casse ou quoi que je peux t'apporter les deux, peut-être? Je t'amène les deux. Un niveau 4 en plus. Hop. Ah, le, bon, non, l'Américain a ramené des tanks en Iran. Et parce que là, Benoît, il gère tout seul contre 3 mecs, Boss, donc... Ouais, oui. Je vais remonter des divisions blindées. Ouais, c'est bien, très bien. Non, c'est pas ramener tes divisions blindées qui m'intéresse, quand même, si c'est cool. Hein, c'est toi. Ok. Ça. Ils sont... Zahel, j'ai un peu fait repousser, mais là il va falloir que tu... Que je... Fasse attention. Ah putain, tu t'es barré, ouais, ok. Contre-attaque ici, Zahel. Oh, celui qui... Où ça? Trop tard, il t'a attaqué pour éviter... Il va t'encercler 3 dieux. En Égypte. À quel endroit? Mais non, ah! Tu veux dire ici, ok. Bah non, tu es marin dans sa clé. Basus, on a le soutien arrière, il est correct ou pas là où... Il est vert et jaune en Baltique, mais c'est tout. C'est 10 mots que tu veux percer, hein, je sais pas. On reste sur l'est pour le moment. Tes avions, ils sont en mission, R2? On a parce que là, il est complètement panique, le Sud-Afrique. C'est bon, Afrique du Sud, t'as la... ces avions 1921, là, tu as... t'as la sup en Afrique du Sud. Peut-être une techno d'entière, un truc comme ça, moi, je sais pas. Elle va pour l'entière. Allô? Oui. Ah, ça avait planté. Salut Straken, ça va? Ça se passe mieux que ce qu'avait prévu Benoît, donc pour l'instant. Ah non. Non, c'est pire. Ça... Ah, ça y est, il y a des Américains en... Oui, je t'ai dit qu'il y avait des Américains qui arrivent en panique. Non, mais ils sont arrivés par le nord, en fait. Non, ça passe à peu près comme je l'avais dit. Hein. C'est une session où on va encore faire un peu quelques trucs un peu drôles. Et c'est la prochaine session, on se fait des Américains. Comme votre commerce était à 25%, moi ça je peux pas remplacer mes avions malheureusement. La prod arrive. Ça fait 2 ans qu'on me dit ça. Tout c'est qu'il y a que 25% de ce que vous produisiez donc. Oui mais le problème c'est qu'il y a un moment on peut pas faire tout le caoutchouc, donc si t'es pas content tu fais toi-même tes usines de synthétique. J'ai plus de place. Zayn, attaquez ici. Désolé, je suis en train de gérer aussi en Afrique. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'attaque? Ouais, attaque en Iran pour soulager la pression sur mon blindé. Ah, on va reperdre Pretoria. Mets-toi en défense machin là. À Pretoria. Oh, défense machin. Mon dernier espoir. Bah, en fait, si Amos, tu peux rien tenir. Iran, y'a plus rien. Il y a encore les divisions blindées ennemies. Non mais il y a un moment, Barbarossa, je le fais pas tout seul.
Silence radio. Allô? Vous m'entendez? Allô? Allô? Oh, je suis passé sur un tunnel, Benoît, tu as dit quelque chose? Ah, ouais, non, bah oui, à moi aussi, je joue dans le TGV là, donc il y a des tunnels des fois. Putain, c'est vraiment un truc. Oui, alors. Hein? Yes! Quoi? Ah merde! Ah, c'est trop. Et voilà! Italie! Ouais, non, mais casse-toi maintenant. Et les divisions américaines qui sont maintenant encerclées. Mais c'est génial. Oh, c'est beau ça. Ouais, c'est... Ah, c'est mieux en tout cas que vos conquêtes en Asie, les gars. Bah, grave, hein, putain. Ah, mais par contre, il est toujours... Oui, bah, oui, c'est vrai, le Japon a perdu les Indes néerlandaises. User joined your channel. Ouais. C'est beau, hein. Bon, par contre, après, c'est la déception, il a toujours ses deux divs blindés, hein, mais... Ouais, non, mais je pensais que ça allait faire disparaître, moi aussi. Non, c'est que ce sont des territoires nationaux. Il a pris au copas toute sa marine, etc. Ils ont tous mis leur marine dans le coin, et c'était une boucherie, hein, vraiment. Ah, mais... Bah, il n'y a rien à faire. Hein. Bombarde-les, Tev, bombarde-les, c'est bon, t'inquiète pas. Ludor, il joue sur le RSS, on est d'accord. Allô ? Oui. Ludor, il est en URSS. Oui. Mais qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il fout sur le stream? Ludor est sur le stream? Oui, mais en fait, il arrive plus à jouer, je crois. Et alors, Ludor, t'as des informations sur le stream? Il va pouvoir les donner aux alliés. Donc tu regardes juste le chat, hein. Non, mais... mon tarif. Moi je tiens à dire, j'ai totale confiance en Ludorus. Je pense que c'est le genre d'homme qu'on peut acheter pour toutes les informations. Ouais. La prochaine étape, je lui aurais du Canada et des États-Unis, on passe par l'Islande. Je lui aurais acheté ses parents s'il n'était pas à vendre. Non, puis c'est rigolo, ça fait encore quelques divisions américaines en moins. Moi j'aime bien ça. C'est bien. Je pense que le plus gros problème c'est l'URSS, on s'en fout un peu de l'USA. Ouais, oh. Merci, merci Résus. Mais bon. Non, moi je pense que tu mens et je pense que le plus gros problème c'était le sud-africain et on s'en est débarrassé. Ouais, c'est clair. Tu vois, comme qui dirait, j'ai 99 problèmes et le sud-africain n'en fait plus partie. D'accord. On voit le genre de mentalité, quoi. Mais... Zayn, est-ce que tu... En Iran, une petite attaque. Où ça? Ici, cette province. Non. Amos? Oui. T'as un peu de temps libre là. De quoi? Ah non, mais Amos, non mais t'as compris, Amos c'est monomaniaque, tant qu'il reste une province iranienne, il restera en Iran. Non, c'est surtout qu'il y a 24, il y a plus de 24 divisions américaines à encercler. Voilà. Quand Staline sera à Moscou, Amos sera là, oui, mais il y a encore 24 divisions américaines en Iran. Putain, quel enfer. 19, 18... On peut se lancer sur la production? La production de quoi? La production de quoi, Damos? Il y a un tank là qui peut attaquer à la poche, hein, mais je dis rien. Ils vont reprendre le port aussi, sinon. Ici. Oui, mais j'ai des mecs qui sont en train de s'y déplacer. Oui, je parle là au tank Damos qui moi, se touche là, bah ici. Bah moi, en fait, pour te faire simple, j'ai eu un lag. L'excuse du lag. Sûr, sûr. C'est des composants mécaniques là qui ont du mal. Hein. Amos le robot. Amos, il y a un focus à faire. Ouais, bah moi je voulais faire l'air production. On a besoin? Tu veux qu'on fasse autre chose? Non, le West Wall peut attendre un peu, je pense. On peut faire le truc pour augmenter la vitesse de construction. Il n'y a pas un Nest Wall? Si, il y a un West Wall, mais bon. Vous pouvez intégrer la Luxembourg et l'Alsace-Lorraine si vous crevez en MP aussi.
Ce qui va être imminent vu vos pertes. Oui, d'ailleurs, c'est pas con. Amos, ouais, si on peut réintégrer le Luxembourg, les Lorraine, tout ce truc un peu con à la con. C'est parti. Les forces soviétiques tiendront Staline à Moscou. Non, j'ai dit Staline à Berlin, j'ai pas dit Staline à Moscou. Là, il y a Steiner qui lance une offensive apparemment. C'est Ketchup Guderian contre Alexandre Vasilevski. C'est dans quelle région ça? Ah, il y a un problème avec l'Australien. Attends. Je me repose. On a 3000 trucs comme ça. C'est pas mal. User left your channel. Le roumain, si tu pouvais arrêter de prendre du caoutchouc, ça serait bien. De prendre du caoutchouc? Aura échelement, t'en as besoin pour quoi? À moi, pourquoi on fait plus de vides de char? Quoi? Pourquoi on produit plus de vides de char? Parce qu'on n'avait pas les moyens de les faire. T'as pas besoin de faire des véhicules. Mais j'en prends que 6. Ouais, alors du coup, sur cet argument-là, je pense qu'on va arrêter de faire du NKL, tu vois. Ouais, mais j'en ai besoin, moi, en fait. Si oui, on veut gagner... Bah, écoute, on peut laisser 20 usines dessus. Parce que, en fait, t'es motorisé, ça sert à quoi? Ah. Ouais, du coup, on a peut-être des trucs à faire, à ce moment-là. On va peut-être augmenter à 20 les YAG, et on va passer les chars à 70. Voilà. Les GAG? Ouais. Du coup, ça fait qu'on achète moins chez l'Italien, mais qui pas un problème pour lui. Et on a cassé la prod de Tungsten Mondial. C'est chier. Alors, on peut acheter un peu chez l'Italien. Alors, si vous avez besoin de Chromium, n'hésitez pas à en acheter. C'est une édition limitée. Bientôt, on l'aura. En Chine, il y a plein de Tungsten, sinon. Tiens, on dirait que Scramouille s'est rendu compte du fait qu'on était en train de lui péter son infra. Il a commencé à s'énerver dans le secteur. Ah, au niveau des avions, ça va un peu mieux, quoi. Oui, on manque encore 15 de pièces de caoutchouc. Faudrait que j'augmente mes avions encore. Zayn, pour l'Iran, je vais te laisser, là. Attends, au moins qu'on finisse la page est finie, ok. Ouais, c'est pour ça, en fait, que je voulais te laisser. L'Iran toujours pas capitulé Si. Ah, mais il y a le Rage maintenant, juste à côté. Ah, le Wolfpack, bien, nickel. Oui, non, mais faut pas y aller au Rage. Là, c'est un trap, quoi. C'est de la montagne et tout. Tu vas pas. Le leader nous dit que les troupes américaines, il a vu de ces choses avec un smiley facepalm, quoi, quasiment. Bah écoute, vu qu'on les a affrontés en Iran, je suppose que voilà, il y a un retour d'expérience qui serait possible. Bon, Amos, du coup, t'es arrivé sur le front? Amos? Oui, d'accord. Je te vois. Non, c'est pour savoir. Oh, je sens que cette partie va être longue. Essayez d'attaquer dans les Pays-Baltes, vous agiez à 600 casses. Non, en fait, je vais pas te mentir, j'avais une autre idée en tête. Je voulais faire un débarquement sur la mer Noire ou je sais pas où. Tu veux débarqueler? Débarqueler. Ah, tu veux attaquer Bakou par les montagnes? Oui, bah oui, bonne idée. Non, pas par les montagnes, par les plaines. Oh, y a une plaine. Oui, une plaine. Ah, bah tentez. Oh, bah, si il faut, plus, le il faut que j'amène une flotte aérienne du coup. Mais y a pas beaucoup de. Si. Non, donc en fait, que je comprenne. Moi, j'avais prévu de me tourner les pouces ce soir, et je gère Barbarossa tout seul. Oui. Ah non, je suis là pour te soutenir. Non, mais...
Parce que du coup, au moment où les gens feront oui, ah, tiens, c'est marrant, l'allemand il avance doucement, on pourra faire oui, alors en fait, je vais pas te mentir, oui, actuellement pour le moment tu gères un peu tout seul. Ah, c'est bon, c'est bon. Ça là-bas. L'avantage c'est que du coup, on peut refaire des offres commerciales au King directement terrestre. Hein. Ching, c'est le Ching. Voilà, ah, il est sans les 600 casses là quand il a pas. Attends, est-ce que je me fais bolosser quand même avec de l'anti-aérien? Ah oui, ça c'est le problème. Un petit peu, ouais, quand même. Mais moins qu'en est à la Pologne. Donc allez-y, hein, dans les pays baltes, il y a 600 casses. À Most, on se fait. Il a de l'aviation sur Moscou, hein. Faudrait peut-être virer nos bombardiers. Pour plutôt bombarder le Bélarus ou je sais pas quoi, ou autre chose, quoi. L'Ukraine. Bon, je les mets en Ukraine en attendant, mais trouve. Ma vie change. C'est parti! Moi en fait j'étais claqué, j'étais pu faire une petite partie tranquille, hein, un truc où je me prends pas la tête un soir. En fumant un joint, tout ça quoi. Non mais c'est ça quoi, limite je me prenais un petit verre à côté, je regardais Amos faire les trucs, je sortais une blague de temps en temps, puis à la fin j'étais en élément essentiel de l'assaut. Ça aurait été complètement fou quoi, mais voilà, mais moi c'était mon plan. Ah, Cherbuska nous propose d'envahir la Turquie neutre, alors jamais. Alors, non, je pense que là en fait, si on fait plutôt un truc, c'est on fait Bifrayon Turquie, tu vois, tout dans le genre. Ouais, si on fait un truc là, on s'allie à la Turquie. Mes casses sont pas à la portée. Pour le Caucase. Attends, je vais essayer de par là, mais. Les casses ne peuvent pas attaquer le Caucase. C'est. Du coup, c'est. C'est cocasse. Comme si tu es sûr. Ah non, des sous-marins américains qui viennent attraper les troupes italiennes qui essaient de s'enfuir. Bon, ben, en fait, elles vont faire demi-tour, elles vont rester finalement, elles vont se battre jusqu'à la mort. Ah, les troupes américaines n'ont pas pu être coupées. Oh, les. Non, il a beaucoup plus. C'est un désastre absolu, hein. En Russie. Hein. Vous avez 1 million de morts, ils en ont 300 000, les Russes. Oui, je sais, j'ai vu. Non, j'ai vu. Ah. T'es arrêté d'attaquer, non? Alors, par contre, je sais pas qui gère les chars en Afrique, mais il faut qu'il y recule, en fait. Ah oui, bon, heureusement que l'IA espagnole est là, quoi, parce que... Non, il veut faire un truc, là, t'as dû le voir. Ouais, je l'ai vu. Bah, c'est pour ça que j'ai décidé de soutenir, en fait... Okay. Ouais, bah, l'anglais retraité. Mais en même temps, ce russe qui joue sur la qualité et nous sur la quantité, voilà. On les voit bien, les 250 livres de la mousse, où elles sont. Voilà, moi je tiens à dire. Hein. Eh bah, ils sont en Iran, et c'était une grande victoire. Ceci dit, on va prendre Bakou. Hey. L'italien, t'as vraiment besoin de ce caoutchouc qui vient du Siam? Pour une fois, oui, je fais des avions. Il n'aura pas coûté cher. Un petit soutien aérien dans le secteur serait pas mal, mais on n'a pas d'aéroport dans le secteur. Dans la Caucase, non. Il y a un soutien aérien que je peux t'envoyer, mais c'est tout. Enfin, des avions qui volent au-dessus, quoi, et qui font coucou, mais... Bah, lui, c'est pas possible. Ils n'ont pas la portée. Je construis un aéroport à Tabriz, mais... Alors, mais ça va passer, ils ont rien dû voir. Avec ton char en Afrique, ce serait idéal. De quoi? Parce que tu pouvais faire la poche sur 6 livres d'urage. Ouais, alors en fait, le truc c'est que. Admettons que c'est fait faire retraité, donc. Ah mais c'est buggé Benoît. Enfin bon. J'ai fait
Améliorer les conditions ouvrières depuis le début, ça fait rien. D'accord. Je devrais être à 100. En stab. Ah, c'était aussi pour ça qu'on a... Bah, alors non, ça avait fonctionné. Ok, on prend Baku. Du coup, on va peut-être. Et il faut pas beaucoup de pertes, donc on prend Baku à Baku. Du coup, peut-être pouvoir remonter la production d'usine en priorité. Oui. C'est à Baku qu'il y a du pétrole ou. Ah oui, là c'est bon, là. Non, là on a Baku, là tu... c'est bon, tu contrôles. Là. Ouais, mais c'est pas sur la case de la province. Non mais c'est bon, tu contrôles oui, là. Oui, c'est bon, c'est bon. Il faut le tenir c'est maintenant. La région, je crois, en plus. Il va falloir renforcer la région. Ah mais je construis des aéroports, les deux russes. 1 million d'armes morts contre 300 000 russes. Je pensais que c'était l'inverse. Enfin, au début de la guerre, c'était plutôt genre 100 000 allemands pour 2 à 3 millions de russes, quoi. Et encore. Cette guerre n'a jamais existé, monsieur. Bah, Dark Shingen, tu voulais des champs plus guerriers, machin. Bah, je te passe des trucs japonais, maintenant tu dis que ça te saoule. Si ça continue, je vais te passer des champs de la Seconde Guerre mondiale tchécoslovaque, tu vas comprendre. Quoi. Charmant. Ah, elle est trop bien celle-ci, la musique. On va faire le panthéir. Mince, tu veux pas les V2 ? Je suis plus pressé qu'on fasse les V2, on va dire. Ah, mais ils ont toujours rien vu. Je pense, ou bien ils ont vu et ils vont finir par venir se ramener à grande vitesse sur nous. Non, je pense qu'ils t'auraient déjà attaqué en boucle. Mais le Roumain, pourquoi tu mets 6 bombardiers tactiques à ta brise? Pourrais-tu les enlever, s'il te plaît? Ok, mais pour les mettre où? Je sais pas, mais ailleurs. Parce qu'en fait, même okay. si on dépasse de la capa, ça fout la merde. D'accord. Comme là, je vais mettre des vrais avions. Vous arrivez bientôt à faire tomber le l'Inde ou pas, là? Lol. On s'en contrefou. Non, mais ça, c'est vous qui attaquez l'Inde, c'est pas nous, hein. Nous attaque. Ah oui, ah oui, bah ah oui, tiens, faudrait qu'on chacun chasse. Comptait sur l'autre pour attaquer l'Inde. Ah. Non mais c'est à dire que en fait on a tué 25 divisions américaines dont 2 divs blindés. Ah, bien joué. Je pense que du coup on. Oui, ça pas grand chose de plus. Hein. Non mais c'est bon, nous encore un an de guerre, on est à poil. Hein. Non, on est. Ok, je vois des blindés. Un an de guerre. Ici. Ah oui, vous avez encore de quoi tenir longtemps alors. Non, dans un an de guerre, on est mort. Oui. Division blindée qui se ramène au niveau de Baku. Ouais. Amos ? Oui. Je pense que la prochaine tech, tu peux déjà la préparer. En fait, on fait la défense des supérieurs. Ah, ça contre-attaque au sud, j'ai l'impression. Oh là là, ils vont vous percer. Non. Au sud de quoi ? Je sais pas, par là, ils attaquent. Ouais, je regarde, mais. Je sais pas si c'est une vraie attaque, je sais pas. Je prépare des chars en. En défense, mais j'ai l'impression que c'est plus pour rigoler, quoi. C'est. Non, je suis pas sûr, hein, qui rigole. Oh, ouais, si t'as du bombardier, ça va passer, hein. T'as du bombardier? J'ai du casse, oui. Ouais, c'est bien. Mais il se fait dégommer, mon casse, hein. Donc. Bah. Dégomme ceux qui te dégomment, hein. Sinon, vous utilisez les missiles, des trucs comme ça, ou ça dépense trop d'essence? Des missiles quoi? Ok, excuse-moi, des roquettes en fait. Des trucs qui volent tout sans homme. Les V2? Les Italiens? Des Italiens. Ah si, il nous faut des gens pour voler en Italie, tu vois. Ça se fait pas tout seul, hein, mais c'est pas de la magie. Même si ça fait un petit peu précidigitation, tu vois, mais.
Mais les Roumains, pourquoi tu t'upsides à chaque fois à travers des... Ah, ils ont pris Bakou. Ah, l'italien, faut avancer, ouais, à Bakou, s'il te plaît. Oui, c'est ce que je suis en train de faire. C'est, je voulais terminer la... Oui, oui, je comprends. Ouais, Moss, arrête tout de suite, on fait la défense d'Espérien hein, pour la doctrine. Oh non! On va passer, on va mais passer non, mais en document. Il faut voir la vérité non, en non, face. Non, mais attends, on a une doctrine qui est faite pour ça, tu fais ça quoi. De toute façon, vous vous battez jusqu'à avoir la doctrine fond de tiroir. Hein. Bon, ouais. Ok, très bien. Je laisse tomber la mode d'un Blitzkrieg et je passe en défense désespérée. Ouais. What? On l'a eu direct? Peut-être qu'il a converti le, ce qu'on avait déjà cherché. Je sais pas. Oui. Dans tous les cas, c'est une bonne nouvelle que nous ayons eu direct. On va se plaindre, je crois. Je pense pas qu'on va être capable de tenir Bakou, mais bon, à voir. Et je pense que on a réalisé les objectifs historiques de l'Africa Corps et que donc, rien que pour ce principe-là, on est bon. Vous voulez du pétrole, les Allemands, d'ailleurs, ou pas? Non, on est bien. Je sais pas si vous avez remarqué, mais du fait du passage par l'Afghanistan, il n'y a plus besoin de bateaux pour transférer des trucs ça, entre... C'est cool. On l'utilise déjà. Genre les vieux camions qui passent par la vieille passe de Kaboul, tu vois. C'est ça, exactement. Tu sais de quoi tu parles, hein. T'en fais des passes hein, tous les samedis soirs dans la rue. En fait, c'est la nouvelle route de la soie, mais plutôt prévue, quoi. Ah, mais il y a des mines de partout, là, dans mes eaux, là. Oh là là. Oui, c'est le grand jeu américain de miner toute la planète. Ramène tes tanks pour défendre Bakou. Quand on a un gameplay aussi qualitatif que les mines, on l'utilise. Non, là pour le moment c'est uniquement avec des infanteries à la con qui l'attaquent. Défense désespérée, l'italien, si tu peux. À quel endroit? Bakou. Bah y'a pas besoin, je suis en train de gagner. Mais en fait, par contre, les divisions de russes, de tanks du russe, en fait c'est à l'infanterie qui les attaque. Ça passe tout seul. Avec les bombardiers, ça passe tout seul. Mais il a mis de l'anti-aérien sur tout son pays, hein. C'est infernal. Hein. Ouais, même dans le Caucase. Ma prod de case va jamais suivre. Hein. Pour tenir Bakou, va falloir mettre une quantité de division absolument hallucinante. Mais on s'en fout, c'est énorme. C'est là, il doit suffoquer un petit peu, Jackie, au niveau du pétrole. Il en produit encore 137, ça va. Ouais, c'est ça. Non, on va se faire retourner là, c'est... Mais j'en produis plus que lui. Tes divisions viennent... Ah oui, là il a armé des vrais tanks. Ah si, tes divisions viennent renforcer, c'est bon. C'est déjà ça. Si mes casses arrivent à temps et font des dégâts, on sera bien, sinon... On avait dit qu'on faisait quoi, Moss, en termes de tech? De quoi? On avait pas dit qu'on faisait un truc et que ça? Non, ouais, non. En termes de tech, de vraiment utile. Le pétrole, en fait, on est pas mal, pour l'instant, on va pas refaire. Les sous-marins, c'est un truc fun. Non. Ah, le damage control. Ouais, on s'en fout quand même. On peut monter l'artillerie, tu me diras. Ah, la logistique, tiens, on monte la logistique. Tu t'es cassé avec tes avions d'Afrique du Sud? Non, non. Oh, bah, tu devrais, parce que je crois que t'as plus l'aéroport. Ah, si, tu as toujours. Oui, je me casse, c'est bon. Ah, oh, c'est beau ces chars
sud-africains qui viennent tenter de sauver leur pays. Tiens, j'ai passé d'usine civile pour construire. Putain de chat, quoi. Pourquoi vous laissez la Corse libre? Parce qu'il y a 50 divs dessus. C'est une bonne raison. Les mines ont été posées contre la Bulgarie, parce que j'en ai vu beaucoup dans la mer Noire, mais la déclaration. 49, les divs. C'est pas pareil. Non, il n'y a pas de mine, regarde. Mer Noire. Ce serait étonnant que Bakou tienne cette fois-ci. Alors voyons voir. Avant que tu sois capable de faire encore une autre défense désespérée et que mon char ait le temps de revenir. Pourquoi tes tanks les as mis si loin? Ils essaient de te bloquer. Fais force, clic droit. Non, je l'ai pas. Avec tes tanks. J'ai déjà cliqué et je l'ai pas. Amos, force, clic droit. Oui. Bah, ça me l'a renvoyé direct. Contre-attaque directe du coup. L'avantage des moyens, c'est que c'est plus rapide. J'ai deux divs qui... de plus qui retraitent. Oh la vache. Voilà. Ah non. Est-ce qu'on va tenir? Est-ce qu'on va pas tenir? Tu penses que ça vaut le coup que j'abandonne Bakou? Je pense que ça vaut le coup de le laisser en pression pour éviter qu'il s'intéresse ailleurs. Ok. C'est bon, là ça tient, pour le moment. Vous arrivez pas à percer ces blindés, j'ai l'impression. Surprenamment. Ah, on a des sous-marins qui ont détruit un porte-avions, un cuirassé par deux anglais. Ah, l'anglais a perdu la moitié de ses convois. Il a construit un port à Bakou. Il va récupérer. Bon, tant pis. Ça leur a fait chier au moins un temps. Pourquoi je veux pas construire de port à Bakou? Parce que c'est considéré comme un lac. Oh. Il est nul ce jeu. J'en ai déjà parlé. C'est pas grave, je vais défendre. Ah mais y'a plus de musique, on s'emmerde. Ouais. Il y avait Malus qui stop. Mais mes casses, ils se branlent la queue. C'est dingue ça. Bakou, ils branlent rien, les casses. Ils se font défoncer. Je leur avais demandé de se calmer, mais. Ok. À qui ça? Pourquoi il n'y a plus de bonus de combat multiple? Enfin, de malus de combat multiple. Je crois qu'il faut vraiment faire beaucoup de combats pour que malus s'applique. Non mais c'est-à-dire qu'il attaque sur Bakou, j'attaque ses chars dans le dos et il n'y a pas le malus de combat multiple.
Est-ce que ce sont les mêmes qui se battent? Non, c'est l'infanterie qui se bat. Dans la province, oui. Non, c'est l'infanterie qui se bat. Non, maintenant il y a de l'infanterie qui est arrivée. Mais avant, il n'y avait pas d'infanterie. Donc oui, je suis sûr que c'était les mêmes, mais il n'y avait pas le malus de multicombat. Ça n'a pas changé grand chose, je pense. Hein. T'es en train de crever de faim, de toute façon. Mais c'est pas grave. Ça détruit l'infra, c'est du génie. Attends, j'ai des transport planes, je vais voir si je peux pas te ravitailler par les... Non, ça va pas tenir. Amos, j'ai foutu de l'anti-char dans nos deals d'infanterie de base, parce que comme il a des blindés dans plusieurs de ces trucs, ça permet de... Est-ce qu'on en avait assez? Ah oui. Ok, alors tout va bien. Le mec lui faire voler certaines de ses livres, bon. J'ai 8000 chasseurs de déployés et 2000 casses. Ça va. Tiens, est-ce que le Romain va l'avoir ça? Sinon, je le file à l'Allemand. Ah, et là, t'as pu. Oui, là, alors... j'ai pu. Bon bah je vais retenter après. Allez, va pour les rénovations. On a pas un autre truc à réintégrer? Je ne crois pas. On a l'opération pour attaquer la Suisse. Mais pourquoi tu fais de la rénovation maintenant du coup? Parce que y a rien d'autre à faire, parce qu'au départ moi je voulais faire plutôt de la reproduction, mais bon tu voulais qu'on fasse des focus. Ouais. Non mais à la limite, oui, pour être de la reproduction pour soutenir Résus. La rénovation, ça veut dire qu'on va l'utiliser nous-mêmes. Non? Je sais pas, je demande. Il y a des tanks lourds ici, ça pue du huc. Je vais renvoyer les tanks qui sont en Afrique. Il n'y a plus de soutien en Afrique, hein, Zayn. Ok. L'anglais il est pas bon là en termes de convoi. La stratégie de la Kriegsmarine fait son œuvre.
Bon, Oui. Non, c'est pas ça, c'est... C'est un peu le drame, Barbarossa, quoi. Hein. Bon, là, après, la question, c'est... Du coup, est-ce qu'on profite... On peut pas attaquer dans les... en depuis l'Iran? Non, depuis l'Iran, là, c'est devenu trop chaud. Et à l'est, même? Encore plus à l'est, tu veux dire au niveau Turkménistan, tout ce bordel? Ouais. Ou bien tu veux qu'on attaque directement, on essaie de faire flipper le rage? Non, Turkménistan, tout ça, ouais. Faut que je renvoie les divisions blindées à ce moment-là. Je les renvoie en Russie ou je les envoie en Turkménistan? Bon, écoute, de toute façon, elles seront pas hyper utiles en Russie, je pense. Hein. On fait demi-tour. Si tu vois bien Hitler tous les 4 matins. Non, mais je change d'avis. Les USA ont perdu 1 million et demi de MP. Ouais, bah vous aussi. Oui, mais en fait ils ont perdu genre 600 000 hommes rien que contre moi. Ah ça y est, le Qing et la Thaïlande arrivent enfin à pénétrer en Birmanie. Qui a perdu 600 000 hommes? Non, mais alors les USA ont perdu 600 000 hommes face à moi. Nice. Et ils ont perdu 600 000 hommes face à toi. C'est les seules pertes qu'ils ont. Ils ont 1 million et demi de pertes. Enfin, 1,3 million et quelques. Putain, ils vous bombardent même pas le cul, j'ai rien à foutre. Bon, tu sais, on s'en porte bien. Il y a 20 anti-aériens en Angleterre, il est bourré de ouf. Le Romain, fidèle, tu fais quoi en fait? Tu veux dire là on a sur le front russe? De manière générale. Il est dans l'expectative. Non, bah je garde ma ligne de front et si jamais je peux attaquer, je peux, mais pour l'instant il n'y a pas grand chose. Là, j'ai réussi à ne pas perdre de troupes lors de l'encerclement de Bakou, j'ai réussi à les évacuer à temps. Et voilà, je tiens le front en Iran, dans le Caucase, dans le Turkménistan et évidemment sur ma propre ligne. D'accord. Ça va peut-être bien que t'aies quelques divisions pour pousser quand même. Bah oui, je pousse où je peux. Non. C'est des divisions qui servent à ça. Je suis en train de mourir, quoi. Il y a tout le monde en Iran, par contre, il y a que Benoît pour avoir ça, oui. C'est ça. Non, c'est y a plus personne en Iran. Même moi, je regarde plus ce qui s'y passe, tu vois. Oui, mais je suis sûr qu'il y a moi aussi. Ouais, je vais pas mentir, je m'y éclate. Ça vous rend dépressif? Non, mais moi un peu quand même, quoi. Là, je me dis, putain... Je t'avouerai, j'ai déjà fait mieux, et j'ai déjà fait bien pire. Ouais, mais moi, moi j'attends de toi le meilleur. Moi je veux voir le meilleur de ta personnalité. Mais c'est un robot, il peut disparu. Pas. Il peut pas avoir de personnalité, c'est un robot. Chasseur, on peut pas voir les pertes globales, non, on peut pas, ça n'existe pas. Résus, on va pas tarder à aller se battre sur le Bélarus pour un coup. Ok. Führer, directive, c'est quoi ce bordel?
Non, non, ah oui, c'est fleur directive, c'est le bonus qu'on a, non? Oui, c'est ça, c'est en fait, c'est, si on se loupe, on a un malus. Mais vous n'allez pas vous rater. Ah, pfff. il faut soit prendre Moscou, soit Leningrad, soit Kiev, soit Stalingrad. C'est chaud. Bah quand on met Scrabble en URSS, le problème c'est quoi là, c'est... Il est solide. Bah c'est cool, non? Bah je préfère qu'un Allemand avance, puis se fasse repousser, parce que là... Hein... Ah, c'est bon les gars, j'ai coulé le fleuron de la flotte américaine, j'ai gagné. Terrible. Ah bah moi, toi aussi, c'est ça, tu te contentes de peu. Bon. C'est une grande victoire. C'est bon. Une très grande victoire. Il faut bon, pas par contre, c'est pour éviter un départ comme à Iwo Jima, mais ça, c'est un détail. Rappelez-vous comment ça a fait les grands titres quand le fleuron de la flotte allemande s'est fait couler. Alors... Ouais, voilà. C'était un mardi. Personne s'en souvient honnêtement là dans le. Bon, sinon, elle est de combien votre espérance de vie pour... Oh, une session. Une session? Ah oh, ok, ça marche nous aussi, je pense. Non, je sais pas quand même, mais voilà. Pense qu'on va gagner? Pas serein, quoi. Là, je... Non, t'inquiète pas, moi non plus, je suis serein. Alors, après, il y a des trucs, ça se passe pas mal, tu vois, on peut pas dire qu'on soit mal, mais... Alors le mot gagner, je crois qu'on va on va pas le mettre quoi, tu vois, c'est... Alors, faut pas déconner non plus quoi. Non, mais si on arrive à avoir un statu quo, c'est une victoire hein. Le statu quo c'est qu'il débarque pas chez moi. Voilà quoi. Le statu quo c'est quoi. Si on arrive à faire en sorte que il se contente de son Amérique du Nord cheaté et nous reste le reste du monde, ça va. Ouais. C'est moi où la description italienne est dégueulasse. Ou roumaine, je sais pas, parce que. C'est probablement toi. En Caucase, on voit rien. Non, non. Ah, les descriptions italiennes sont dégueulasses. Les troupes britanniques, elles se prennent taquet d'attrition. Where? Amos? Oui. Je me dis un truc. Elisabeth. Est-ce que les trois navires restants de la crise de marine, leur meilleure utilité, ce serait pas de les disband? Pour le MP. on a du MP là, c'est bon. Ok, vous êtes dans ces états là, ok. Merci à moi. Ravi de vous avoir connu, c'était cool. Est-ce que vous pensez que si je rends le Taïwan indépendant, est-ce qu'il va pouvoir se supply lui-même hein? oui, ça peut pas sûr. Ah ouais. Tu peux pas vraiment rendre Taïwan indépendant sans rendre tout le reste indépendant. Hein. C'est un détail. Hein. En gros, réessaye la Transylvanie maintenant que le truc de tout à l'heure ça a marché. Ah oui. Bah apparemment non, vu que tu dis rien. Ouais, toujours rien. Peut-être avec le truc de la semaine prochaine, ça marchera. J'espère. Bah normalement, il suffit qu'il aille sur... Alors, je peux le faire à la limite, mais... Oui, bah vas-y, hein, t'inquiète pas, je le prendrai pas mal, hein, je le dis tout de suite. Bon, comment ça se passe En biélo, on le découpe avec son aviation, de toute façon, à chaque fois, Scramou il fait de l'aviation, mais c'est histoire de dire, quoi. Ok, en Égypte, on le découpe aussi. Je sais pas quelle doctrine il a fait, l'américain, mais on le... C'est du 1 pour 10. Un peu supérieur, hein. En aérien? Ah, en aérien, je sais pas. Parce que je le découpe. D'accord. Panos, on a plein d'avions en stock. Tu vas pas les envoyer au Siam? Ouais, voilà, tu peux les envoyer ici, s'il te plaît. Ouais. Moi, j'ai 1 million d'hommes qui rêvent de partir au combat, mais ils ont pas l'équipement.
Nous, on a un million d'équipements qui rêvent de partir au combat, mais qui n'ont pas leurs armes. Oh putain, il y a des convois du Reich qui sont coulés à côté du cap. C'est la folie, hein. Je m'étonne. Ça arrête pas le progrès. En tout cas, moi j'aime bien mon petit, mes petites Comores. J'ai construit un petit aéroport, j'ai des navettes bombeurs au-dessus et j'ai des sous-marins dans le coin. Tu vois, c'est... moi je rigole bien, pardon. Oui, ils peuvent le reprendre facilement, t'as mis qu'un mec dessus. Oui, bah ils ont qu'à le faire. Tu veux pas libérer les Comores en tant que République? La République des Comores libre, mais fasciste. Ce sera l'Empire des Comores, tu sais. Oh le massacre, ce barbare ça. On aura joué, non? Ah oui putain, t'as déjà 1 500 000 euros, ok. Ah ouais, L'américain aussi. Oui, ah bah oui. Ouais mais pas le russe. Et moi je suis à combien de morts là en tout? Ah oui, je suis à un truc pas mal là, hein, je crois. Eh, 400 000 c'est tout. Et il y a plus d'Italiens qui sont morts que le Japonais. Il y a même des Hongrois qui sont morts. Oui, ouais, c'est des pertes aériennes. L'aviation, ouais. ...38 000 pilotes de chasse sont morts. La Hongrie est une usine à pilotes. Ah c'est Silver réforme enfin sa fonction publique. Il va désormais geler les salaires et... Zane ? Oui ? Ici s'il te plaît. Effectivement. A priori je suis en défense donc je vais me déplacer mais oui. Tu profitais du fait qu'il regardait pas, c'est ça? À peu près. C'est anglais, ça. Supermarine. Ah! Il y a le modèle d'aviation Benoît Ténul. Oui, j'en le connaissais. Quelqu'un qui s'amuse. Tiens, il y a 12 divisions du Reich qui ont réagi en panique, semblerait, Amos. Mais elles sont sous-équipées, les troupes du Reich, là. Mais c'est... Enfin, là. Godelli, hein. Ouais, ouais. Mais, en fait, là, il y a eu d'énormes combats, là, en Birmanie. Il y a eu beaucoup de morts et tout. Hein. C'est un délire, Adélie. Bah, si on peut se rejoindre, avec plaisir. Moi je pense que je suis coupé de tout pendant un bon moment. D'ailleurs, Silver Wolves, hein, je te dis un au revoir. Parce que maintenant, ça y est, le trade ne peut plus passer entre nous. Comment ça? T'as déjà plus de... Bah... Non, c'est... J'ai 4 divisions blindées, je peux pas faire des miracles, sachant plus que le secteur est juste infernal, là on doit traverser des montagnes. Je vais faire sur l'eau, à mon avis on va attaquer le Népal, hein. D'accord, comme ça on pourra l'attaquer de tous les côtés et il pourra défendre le coin. Là, avec un peu de chance, ça va faire un peu paniquer et tout, tu vois. On est tellement mal. Zain ? Oui ? Tu veux que j'attaque la province ? Oui. Résus, on se bat sur le Bélarus en fait. Oui, t'inquiète, on est en vert dans le Bélarus. Il y a une musique dramatique qui se joue en plus là sur le stream. C'est parfait. Ah bien, putain, excusez-moi, j'ai oublié de mettre en pause. On s'arrête. Ok. Oh. Bon bah ça va être fort à la boue au Japon. Ouais bah... j'espère que les vieux ils sont prêts à se battre, hein. Non mais là on va bientôt faire tomber le Dominion Findia donc ça va se faire.
bientôt faire tomber le Dominion. Non mais en vrai je pense que c'est le Dominion au fil. Bah bon après faut pas me délier tout tu vois mais... Si le Dominion au fil tombe... Avec toute l'armée américaine. Oui, on peut dire qu'on a gagné quoi. Ah, il y aura toute l'armée américaine qui va débarquer. L'armée américaine, bah ouais. Parce que l'armée américaine ça passera jamais, laisse tomber. Moi en fait ils peuvent jamais gagner finalement. Ok. C'est cheaté Oh, il y a vraiment des règles trop pro-alliées. Hein. Ouais. Ouais, c'est clair. Mais non, mais vraiment. Évidemment, c'est plus simple de jouer à la victime. Alors que bon. Ouais, pour moi, ça n'a rien changé. J'ai. Il n'y avait pas de troupes là-bas, mais t'inquiète pas, il n'y avait pas besoin de troupes. Quand tu peux mettre toute ta marine parce que t'as une marine deux fois plus grosse que celle du Japon parce que t'es en partiel depuis 37. Non, mais t'inquiète, hein, je vais subir la même chose demain soir donc. Ah bah ouais, bah ça va être réglé. Mais alors, non, moi c'est pire. Sauf que Résus, il sait déjà qu'il est pas prêt. Ouais, mais surtout ce qui est pire, c'est que l'Américain dans la partie de demain soir, lui il a eu le droit de faire quelques focus communistes. T'inquiète pas, j'ai un peu discuté, y a moyen que vous lui fassiez bien chier le Rick. Hein. Pourquoi ? Bon, comment ? Ah bah je vais pas vous le dire. Dans quel monde ? Bah, tu peux le dire, hein, parce que de toute façon, je suis même pas sûr que quand le sachant, ça change quoi que ce soit. Non, parce que j'ai promis à un joueur de rien dire. Mais on s'en fout de la promesse, ça engage que ceux qui y croient. Bah ça m'engage moi. Et t'y crois, ta promesse que t'as donnée ? Mais c'est n'importe quoi, ça sert à quoi de faire une promesse ? Si la tiens. User left your channel. Ah, je suis premier. Bon, sur ce, je vais couper là-dessus pour le stream du multi. Joe saute.